Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Ça faisait longtemps, oui, depuis hier soir. Hier soir avec le 9-10. Si vous étiez avec nous, sinon, euh, bah écoutez, bonsoir, bienvenue. Euh, je le disais à l'instant. Euh, si vous avez manqué le 9-10, c'est pas bien, euh, mais vous pourrez vous rattraper. Vous pourrez le regarder, soit, euh, soit sur Twitch. Mais là, va falloir se dépêcher parce que ça saute très vite les, les, les vidéos sur Twitch. Twitch ne les garde pas. Euh, sinon ça, sera, ça se passera sur notre chaîne YouTube, vous connaissez le chemin, vous voyez, vous les avez vu forcément passer sur les réseaux sociaux Mais voilà, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, oui, qu'on n'avait pas fait euh, de live euh, Je crois que le dernier c'était déjà de la Libertadores, euh, il me semble, au début du mois je crois, on va voir Il me semble que c'était déjà, je vais l'accueillir puisque il est avec moi, euh, c'était déjà avec Vincent, Vincent Dupont, salut Vincent Salut Nico, bonsoir à tous je crois que c'était avec toi hein, la dernière fois hein, déjà. Hein. Ouais, Il me semble que c'était début du mois, hein, c'est ça hein. Exactement, première journée de mémoire. Ouais, c'est ça, première journée. Euh, alors Vincent, euh, tu es en Argentine là, c'est ça Tu es toujours Ouais tout à fait. Je suis à, à peu près 30 km du match qu'on va commenter <laughs> ce soir. <rire> Exactement. <rire> Mais tu n'y es pas, malheureusement. Enfin, je ne sais pas, heureusement, on va voir. Euh, on va voir, ça va dépendre du match. La dernière fois, on s'était fait Olimpia Cerro Porteño. C'était un classico paraguayen. Là, on va se faire une opposition de style. Je vais en profiter pour saluer ceux qui sont dans le chat. Je vois euh, quelques habitués. Je vois Figo. Salut Figo. Pierre, qui est là. Ah, monsieur Pierre Gerbeau. Et on va saluer euh, Paul Bismuth, dont c'est la première. Euh, bienvenue. Installe-toi confortablement. On va se faire donc une soirée de Libertadores. Je vais vous montrer euh, le programme de la soirée, le voici, il euh, y a deux sessions concrètement, il y a les matchs de minuit 15, dont l'un que l'on va suivre ensemble, euh, qui va être Estudiantes Red Bull Bragantino, pourquoi on a choisi celui-ci euh, bah, Très honnêtement parce que sur le papier c'est la plus grosse opposition de style, très clairement, euh, si vous n'êtes pas des habitués, on aura l'occasion d'en parler tout au long de la soirée, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, euh, on, va, on va pouvoir se poser, on va commenter le match en mode radio, mais on on va pas mal digresser, hein. généralement ça se, passe, ça se passe souvent comme ça. Euh, donc vous n'hésitez pas, vous allez... on va avoir une vraie opposition de style entre ces deux équipes, Estudiantes d'un côté, euh, l'expérimenté, Estudiantes et le, le RBB. Euh, trois autres matchs ont lieu en même temps, un autre match qui compte dans ce groupe, euh, Vélez contre National. J'avoue qu'on s'est un peu tâté pour faire celui-là, mais bon, Vélez, c'est pas ouf en ce moment, National, c'est pas ouf non plus en ce moment, donc on se dit, voilà, euh, on, on va voir, on va espérer qu'on a bien choisi. Deux autres matchs, un qui se joue en Bolivie actuellement, Independiente Petrolero, euh, qui accueille le Deportivo Tachira. Et le dernier match de la session de minuit 15, c'est Libertad contre l'Atlético Paranaense, le vainqueur de la dernière Sudamericana face au Red Bull Bragantino, justement, euh, qui était le finaliste. Euh, les deux équipes sont euh, actuellement sur le terrain. Euh, si, vous si vous êtes en France, et j'imagine que vous êtes nombreux d'être en France, euh, cherchez pas, ça passe pas sur aucune télé, hein, malheureusement, c'est fini. Euh, la, 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 bonne, la bonne époque, euh, euh, ma chaîne sport SFR RMC euh, est terminée hein, depuis euh, fin 2018, depuis la finale de Madrid, ça a dû euh, calmer tout le monde. Euh, donc il y a plus de Libertadores sur les télés françaises, il va vous rester les streams. Alors je ne vais pas vous mettre de lien parce que voilà, hein, je peux pas, on ne peut pas se permettre, mais on pourra vous en donner oralement, probablement, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à demander, mais c'est facile à trouver généralement. Euh, ce match passe sur Fox 2, sur ESPN Brésil et sur Facebook aussi, je crois, euh, si vous êtes euh, en Amérique latine. Voilà. Euh, donc, ça, c'est le programme de la première session. Je peux vous montrer aussi le programme de la deuxième session euh, qui doit être ici. Voilà. Ça, ça sera la session de 2h30. Alors, on aura, on aura, on aura laissé l'antenne hein, pour dire les choses. Euh, la deuxième session avec un match qui devrait. Euh... <laughs> qui devrait stresser un petit peu Vincent qui est avec moi. <laughs> le Corinthians Boca. Je pense que ça te, voilà, ça te, ça te titille un peu, j'imagine. Ah, je crois que j'ai perdu Vincent. Mess. Euh, ah non, attends. Je sais tu m'entends Ouais, je t'entends. Te, ah. C'est que j'ai fait une erreur. J'avais coupé ton son. Vas-y. Ouais, je te disais, bon, sur le papier, beau match, mais on a quand même deux équipes qui sont pas dans la, dans la forme de l'année. Que ce soit tantôt du côté de Corinthians qui, qui n'est pas... Très bien, même si ça va un petit peu mieux qu'au début de saison, notamment euh, lors de l'estadual où ils ont <laughs> un petit peu choke, comme on dit, et Boca qui, qui n'en finit plus de décevoir depuis, euh, depuis maintenant bien un mois. Ouais, et qui te déprime bien hein, les commentaires sur, <rire> <rire> sur Twitter. Hein. Ah, ah, oui, si bah... ah, J'en je, profite, si vous ne le savez pas, Vincent, c'est euh, Boca Junior France. Euh, je peux vous donner son hâte. Euh... Euh, je, je vais vous coller le lien même dans le chat, ça ira plus vite. Comme ça, si vous voulez aller le suivre, euh, et en ce moment, euh, voilà. <laughs> quand non, il s'agit de suivre les matchs de Boca, ça, ça part vite un petit peu <laughs> dans l'énervement. C'est pas bon pour la tension, quoi. <laughs> non, c'est clair. C'est difficile parce qu'on ne joue pas grand chose. Euh, ça fait de la peine parce qu'aux aux, aux commandes, enfin, commandes du club, aux commandes de l'équipe, c'est Sébastien Bataglia, qui est donc le, le joueur qui a le plus gagné avec Boca. Donc, forcément euh, très respecté, une légende, mais euh, ce qu'il produit sur le terrain n'est clairement pas à la hauteur du club. Et on a entendu la Bombonera, le, lors du dernier match, j'y étais d'ailleurs, euh, commencer à s'énerver un petit peu. Et c'est compliqué en Argentine. pas le genre de... Contrairement au Brésil, où les supporters ont tendance à s'énerver un petit peu plus vite, à insulter tout le monde, il n'y a pas eu d'insultes à la Bombonera, mais il y a eu quelques chants. Qu'on n'avait pas entendu depuis 2012-2013. Ouais, et puis c'est quand même assez. Euh, ouais, ouais, je suis assez d'accord, c'est assez surprenant. En plus, bon, on sait, on sait qu'ils ont nommé aussi Bataglia parce qu'il fallait, euh, euh, fallait un, un historique pour calmer un petit peu le peuple. Et puis parce que ça ne fonctionnait pas trop mal, c'était pas ouf non plus. Il était avec la réserve, hein, c'est ça. Euh, Tout à fait. Après, euh... honnêtement, si... il est maintenu au poste parce qu'il gagne la finale de la Copa Argentina contre Tacheres. Ouais. Mais on la gagne au tir au but ouais. à la suite d'un match horrible. Ah oui, <laughs> un, match, un match, horrible, vraiment. Oui, c'est clair. Ah on oui, d'accord. Et Exactement. un match, un match con, concrètement raté par il hein, Faut dire les choses euh, ce jour-là oui. euh, parce, que, parce que Boca a été euh, dominé. Alors on, on, va, on, va, on va revenir là-dessus. Je finis le programme 2 h et demie. Corinthians, Boca, Tajeres, justement euh, Sporting Cristal et un très excitant Independiente del Valle, euh, Atlético Minero. Je suis là, je vous le conseille, il risque, il risque d'envoyer du très très lourd aussi. Je vais lancer le chronomètre parce que le match va démarrer ici euh, à La Plata. C'est Estudiantes qui va donner le coup d'envoi. Je vais vous mettre les compos, même si je ne suis pas convaincu que ça parle à grand monde, mais quand même, on va mettre les compos. Il y a peut-être une minute de silence, mais ça va me permettre de les afficher, justement, ces compos. Euh, je vais vous les mettre. La voici, la composition. On va passer en mode, euh, on va passer en mode match, tiens, carrément. On va se faire plaisir, voilà. Et euh, le coup d'envoi vient d'être donné. Donc je vais lancer le chrono. Comme ça, vous allez pouvoir vous, euh, vous synchroniser avec nous si, euh, si vous le pouvez, si vous avez trouvé un stream. Parce que c'est parti entre Estudiantes et le Red Bull Bragandino, Bragantino. On évoquera un petit peu plus tard. Euh, on reviendra un petit peu sur Boca. On va se focaliser un petit peu sur ce match. Euh, on le disait, euh, Vincent, opposition de style. Alors ça fonctionne très très bien ce que fait Estudiantes. C'est du pur Estudiantes là pour le coup. Euh, pour le coup, euh, Zilinski, euh, le Rousseau Zilinski à la tête d'Estudiantes, des ça marche très bien. L'ADN est conservé, c'est-à-dire c'est une équipe froide, <laughs> froide bien comme il faut, euh, mais d'une efficacité redoutable. Hein. Tout à fait. Surtout que là, euh, donc le championnat argentin est divisé en deux groupes. C'est même pas le championnat, c'est la coupe de la Superliga, parce qu'en Argentine, on aime bien inventer des nouveaux formats chaque année. Ah, ça, ça a été un championnat jusqu'à ce que Cologne le gagne l'année dernière. Oui, tout à fait. Mais après, on... non, en fait, c'est une coupe nationale. On ne sait pas trop. Ouais, voilà. Il y a toujours des débats comme ça. Et euh, donc je disais que Estudiantes n'a perdu qu'un seul match contre Boca. Euh, en l'occurrence, mais sinon euh, ça gagne. Et euh, sur les derniers matchs, on a eu quand même trois euh, goleadas qui sont très importantes, dont euh, le 4-1 contre Vélez, donc en Libertadores, c'était lors de la deuxième journée, si je ne me trompe pas, contre Central Cordoba, 5-0 à domicile. Central Cordoba qui est un club qui reste quand même très très modeste, et contre Baracas, mmh. 6-1 à l'extérieur cette fois, ouais. qui. Et également un club un petit peu plus modeste qui d'ailleurs euh, est monté de manière euh, un petit peu euh, douteuse. On peut non. Dire, <laughs> <C 'est rire> Légèrement. Si <Je> vous vous <laughs> intéressez euh, euh, <laughs> un petit peu à la Primera à la Argentina... Bah, c'est le, le club du président de la Fédé, hein, tout simplement. <rire> <Donc>. <rire> il y a son fils qui c'est son fils, hein, il me semble qui qui parfois joue. Euh, c'est ouais. son neveu. J'ai un C'est la, ouais, euh, la famille. J'ai un doute aussi. C'est la famille. Donc, on se, on se retrouve un petit peu comme à, à la vieille époque de Grondona. De <laughs> ah bah, toute façon, Arsena, euh, façon hein, Chiquitapia, Tapia, c'est euh, un héritage grondonesque euh, assumé. Hein, C'était son mentor, hein, Julio Grondona. Et quand il a été nommé, il a clairement assumé cet héritage-là. On va saluer Micteo qui qui nous suit. Merci. Et ouais, ouais, non, c'est héritage clairement assumé. Mais voilà, c'est assez funky, un Baracas central avec déjà des polémiques liées à l'utilisation du var dans son match. c'est exceptionnel. On va on va on va se marrer toute la saison avec ce club, je pense. Mais c'est vrai que cette Studiantez là, tu le disais, c'est vrai que cette Studiantez là se met à cartonner quoi. C'est complètement Tout à fou. fait. Pour répondre à Pierre dans le chat, euh, ouais, c'est Manuel ouais. Mas, l'ancien de San Lorenzo et de Boca aussi. Qui, curieusement, joue beaucoup mieux à Studientes qu'il ne joue avec nous. Mais... Il y a beaucoup d'ex-Boca d'ailleurs, hein, si on regarde la composition. Zuki. Zuki, ouais. Qui, pareil, n'était hein, euh... pas. Non, 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 on l'a acheté cher en plus. Ouais. On l'a acheté cher. Oh, attention euh, vraiment... parce qu'il va y avoir. Oh, oh, le raté Le raté incroyable d'entrée de partie alors, j'ai pas vu qui a raté. Euh, si, c'est Del, Del Prété. C'est non Ouais, ouais, ouais c'est Del Prété. Pour moi, c'est Del Prété, ouais. le Alors, Déjà, il est pas hors jeu, ça c'est sûr. Et c'est Del Prété, euh, concrètement, remise de la tête sur un coup de pied arrêté. Del Prété qui surgit dans le dos de la défense, seul aux 5,50 m Et il cadre pas. Il <laughs> Malheureusement le mais c'est au-dessus, ouais. Ouais. Euh, énorme occasion hein, pour uh, Studiantès qui est parti très fort avec euh, voilà, un joli petit découpage en règle sur le côté le premier carton jaune du match. Peut-être pas, d'ailleurs. Peut-être pas pour Pellegrini, non. non. Rappelle alors. Juste un artiste. Voilà, il est, allé, euh... <laughs> il est allé défoncer du Brésilien à la Estudiantes. Euh, bienvenue ouais, à toi, Didou, euh, dans le chat. Et euh... oui, tu disais Manuel Mas, ancien de San, San Lorenzo et de Boca, euh, mm -hmm. qui était bon à San Lorenzo, qu'on pensait complètement enterré après son passage à Boca, euh, qui finalement revient bien. Euh, Agustin Rogel aussi, oui, c'est bien celui de l'ancien de, de... de Toulouse, Figo, euh, qui pareil, revient un petit peu. Donc euh, voilà, après, ça a toujours, ça toujours on, on croit souvent ce type de profil-là hein, dans, dans, à Estudiantes et dans de nombreux clubs argentins, euh, des, des joueurs qui rebondissent. Je sais que je vais me fâcher avec tout le monde si je ne dis pas que est un grand, mais bon, voilà. <laughs> voilà, c'est un club d'anglais, quoi. <laughs> ça fait un petit moment que. Bah, au final, la Libertadores, je dis ça, mais euh, ils ont gagné une Libertadores, euh, en tout cas, Boca l'a gagné en 2007 et, et Estudiantes en 2009, du coup, ouais. Ils ont gagné avant nous, euh... j'ai du mal à m'exprimer, mais vous aurez compris. <laughs> Et on aura quand même euh, toujours euh, les... des bons petits joueurs, comme Andujar, par exemple, ouais. qui, est... qui est toujours euh, un très bon gardien, hein. ça ne change pas. Euh, qui a... Je me souviens, Boca le voulait euh, avant, de... avant Andrada, donc ça, ça commence à dater, mais à une période où on avait vraiment besoin de gardiens, son... son nom rebondissait beaucoup, mais au final, il est, il est toujours resté... Euh... Fidèle, c'est vrai. Ouais, non, non, il y a plein, y a plein, y a plein de bons joueurs. Hein. Bosselli. on a vu, on a vu, euh, on a vu à l'instant, euh, ouais, Boselli. Alors Boselli, euh, si les habitués de football sud-américain le connaissent forcément, mauro Boselli, hein, parce que euh, ouais, c'est pas, c'est presque une légende hein, maintenant. Euh, tant ce garçon a, 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 a fait trembler des filets un petit peu partout sur le, sur le continent. Et puis euh, on parlait de lui à l'instant parce qu'il a eu un énorme raté, mais Delprété c'est hyper intéressant, hein, Gustavo Delprété. Euh, donc voilà, il y, y a une jolie équipe, il y a un bel équilibre. Ça, c'est aussi la force. Alors, si vous n'êtes pas habitué, euh, vous allez vite le voir dans le match si vous avez les images. Euh, les équipes de Zielinski, euh, si on doit les résumer en un mot, c'est équilibre. Hein. Donc, euh, <laughs> euh, parfois, c'est chiant. Il faut dire les choses très clairement. Euh, moi, je me souviens de certaines époques du Rousseau-Zielinski où il euh, fallait vraiment s'accrocher pour suivre ces équipes. Mais, mais, mais elles sont équilibrées et ça fonctionne tout le temps quand même. Hein. C'est. C'est un vrai bon entraînement du, du, mmh. du paysage argentin. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et euh, parmi les joueurs aussi qu'on a, qu qu a évoqués, il y a euh, le latéral droit, ou gauche, j'ai un doute à chaque fois, Godoy, qui est latéral droit, pardon, euh, ex-Tacheres, et qui était une promesse déjà à Tacheres, et qui, pour l'instant, euh, se débrouille très très bien à Studiantes, depuis qu'il qu a signé pour, euh, pour la PINCHA. Donc, euh, on va attendre de voir euh, comment sa carrière évolue. Mais euh, je ne serais pas surpris qu'il finisse euh, dans un des. ou peut-être même directement en Europe euh, d'ici peu. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis, euh, je suis assez d'accord. Donc voilà, donc il y a de quoi il y a de quoi quand même. Hein. On a un petit peu démonté euh, Estudiantes. Et même si pour l'instant les faits nous donnent un petit peu tort hein, sur, les, sur les derniers matchs, c'est vrai qu'au départ, on était parti sur un Estudiantes à la Estudiantes parce que c'est aussi l'ADN du club. Hein. C'est le club euh, de Zubeldia et Bilardo. Hein. Ça vous place un petit peu dans... Dans les débats philosophiques argentins, où ça vous place, où ça vous met Estudiantes, on n'est pas du côté du football total, on est du côté du football, euh, du football froid et clinique, comme je le disais en introduction. Et on va parler un petit peu du, euh, des, des visiteurs. Bragantino, qui pour l'instant est quand même bien pris à la gorge hein, dans ce début de match, euh, les Brésiliens n'arrivent pas à sortir. Et justement, c'est l'une de leurs forces, hein, normalement. Euh, là, c'est pour ça qu'on parle d'opposition de style, parce que l'équipe de Mauricio Barbieri, si vous connaissez les Red Bull version européen, euh, que ça soit Salzbourg ou Leipzig, il y, euh, y a des dénominateurs communs entre ces équipes-là un entraîneur jeune, euh, une volonté de développer un football très offensif, un football avec un jeu très particulier, avec pas mal d'intensité, euh, où ça va chercher haut. Si vous suivez un petit peu la MLS, euh, New York, les Red Bulls, c'est le même principe. C'est voilà. Et ben un Bragantino, voilà, c'est la même école, c'est l'école Red Bull. Il faut que le football soit offensif et spectaculaire. Généralement, c'est le cas. Et ça commence à payer, hein, même au niveau des résultats. Je le disais, ils étaient en finale de la Sud américaine l'année dernière. Et donc, c'est pour ça aussi que ce match va être intéressant. Et c'est vrai que sur ces premiers instants, euh, très honnêtement, on est sur un Estudiantes qui est en train de, de mettre une grosse, grosse pression sur les cages de, 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 de Bragantino, qui n'arrive pas à sortir. Il y a à nouveau une demi-volée qui va être captée tranquillement par Clayton. Mais ils n'arrivent pas à en sortir. Bonsoir à toi, mais bonsoir à toi Métis. Ce n'est sur aucune chaîne en France. Euh, voilà, euh, pour le match, pour répondre à ta question. Donc uniquement des streams. Si jamais tu es en Amérique latine, Fox 2 euh, pour la version espagnole. Euh, Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ESPN Brésil et Facebook Watch, je crois aussi. Il me semble que c'est le match de Facebook euh, du côté de la Côte-Mébol. Voilà. Mais bon en... cas aussi joue avec Facebook, mais du coup, j'ai un doute. Ah, alors j'ai un doute. Mais il me semble avoir vu Facebook Watch tout à l'heure. Euh, il me semble que c'est... Alors attends, je vais aller vérifier parce que je crois que c'est... Euh, c'est euh, même euh, le club euh, de Bragantino qui a dit que c'était... Ah qui sur... a posté ouais, ouais. C'est possible. Et si vous n'êtes pas en Amérique latine, sachez qu'avec un simple VPN, c'est assez facile de contourner la, la localisation de Facebook. Oui, 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 oui. oui. Exactement. Euh, je suis en train de vérifier ce qu'ils disent. Euh... Ouais, Facebook Watch, euh, bah, je peux vous mettre le lien, puisque c'est un lien Facebook, donc euh, voilà, je vais vous mettre... Il n'y a pas lien. de problème. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat. Voilà, normalement c'est ce lien-là, pour voir le match sur Facebook. Euh, il vous suffit juste de contourner, de vous placer en Amérique latine hein, seulement, hein, ou toute l'Amérique, oui. je ne oui. sais plus. Ah, J'ai un doute. Hein. J'ai un doute, euh... mais bon. Prenez l'Amérique latine, vous serez tranquille, et, euh, et vous aurez ce match-là sur Facebook. Voilà, je vous ai mis un lien légal, incroyable. <laughs> Parce que oui, euh, la Conmebol diffuse des matchs sur Facebook. Euh, voilà. Voilà. C'est une bonne chose. Il y, a du, il y a de la Libertadores gratuite. On va suivre, justement, là, il y a une offensive de, de Bragantino avec un ballon qui va partir probablement en touche. Ouais, j'ai eu un doute. En touche. Euh, on va la suivre à cette équipe. Euh, euh, voilà, offensivement c'est hyper intéressant. Vous allez voir Yoran le 10 au cœur du jeu. Euh, Italo devant qui, euh, qui est plutôt pas mal aussi. Jadson, euh, aussi. Ouais, ouais, le exactement. 5, qui Jadson. relance bien, qui est assez jeune. Hein. Il me semble qu'il a 20 ans. Ouais. Euh, ouais, je crois bien. Je vais te vérifier et, ça, mais euh, il me semble que je suis assez. C'est 19 ou 20 ans. C'est 20 ans, il est de mai de Tout à fait. Vélez, je me souviens que lors du match entre Vélez contre, euh, contre Bragantino, avait bien neutralisé Jadson, ce qui avait empêché euh, l'équipe brésilienne de, de construire son jeu. Et au final, euh, bon, ça avait terminé en 2-2 de mémoire. Mais euh, Red Bull pouvait s'en vouloir, euh, avait eu les occasions pour, pour gagner ce match. Et au final, on se retrouve quand même dans un des groupes les plus intéressants pour moi de la Libertadores, parce qu'on a vraiment quatre clubs ouais. qui, qui se valent en fait. Et même au niveau des points, on, on le voit maintenant. Ben en fait, c'est ça. Alors, j'ai n'ai pas eu le temps d'afficher le classement, mais euh, concrètement, les deux, les, les deux équipes qui s'affrontent là sont les deux leaders avec quatre points. Euh, et donc forcément, les deux autres équipes qui s'affrontent sont les deux qui, qui sont un petit peu à la traîne, hein, Vélez et National, qui ont un seul point. Et, et justement, c'est un groupe hyper intéressant parce qu'on a des historiques, on a des anciens vainqueurs euh, de la Libertadores, Estudiantes, Vélez et National. Okay. Et euh, voilà, hein, c'est des équipes qui ont laissé leur nom au palmarès et plus d'une fois pour certains, euh, <laughs> ceux que l'on voit là, Estudiantes, plus d'une fois. Euh, avec la, 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 la dynastie des vérones entre le papa entre le papa et euh, entre le papa et, le, et, le, et le fils euh, donc, Estudiantes a plusieurs Libertadores, National a plusieurs Libertadores, Vélez a gagné une Libertadores, c'était en 94 avec Bianchi, et euh, on a l'ambitieux Red Bull euh, Bragantino qui euh, a un jeu. Euh, si vous avez les images, vraiment, vous voyez hein, la relance, on y est, on est en plein dedans. Ils ont d'ailleurs un peu de mal à sortir du pressing euh, d'Estudiantes des pour l'instant. Euh, c'est relance courte au sol, et on essaye de construire. On voit Mauricio Barbieri qui, euh, qui euh, s'impatiente un petit peu sur le côté, là on va enfin allonger. Mais euh, voilà, c'est euh, oui, probablement l'un des groupes les plus. Euh, les plus excitants sur le papier, euh, et ça donne aussi pour ce soir l'un les deux matchs, les deux affiches les plus, euh, les plus intéressantes. Euh, oui, effectivement, bon anniversaire à, à Carlos Bianchi. <laughs> c'est, ouais, tout à fait. Ça va faire des champions du monde avec Vélez. Exactement, exactement. C'est quand même assez incroyable. Si, si on se remet dans le contexte historique, 94, ouais. euh, vélez Starfield c'est vraiment l'équipe euh, du, du, du barrio, du commencer en français. Ouais, euh... du quartier. Ouais, du quartier, exactement. Ouais, ouais. C'est ça. Bah c'est quartier. Ouais, et puis ils ont retourné l'âme Sud. Bon, après, ils avaient, ils avaient du joueur hein, quand même. Hein. Vous connaissez tout tous à fait. Euh, Chilla Verte dans les buts. Donc euh, voilà, ça vous parle déjà. Mais, euh... Mais oui, oui, ils ont retourné l'âme Sud et c'est surtout qu'ils vont taper le Grand Milan. Exactement. Et... et même là, si on regardait, tu disais les. Trois qui sont champions de la Libertadores, même plusieurs fois pour, pour deux d'entre eux. Les trois sont champions du monde aussi. Exactement. Et Red Bull, on, on, Bragantino, on rappelle qu'il y a trois ans, ils étaient encore en série B. Ouais. Et euh, ils venaient d'être achetés euh, à cette période. C'était également en avril, de mémoire. Et donc, euh, ils sont arrivés en finale de, de Sudamericana euh, l'année passée. Ouais. Donc, plutôt un, un, un impressionnant. Euh, L'évolution des clubs. Et première participation donc, à la Libertadores, forcément. Et on va voir jusqu'où ils peuvent aller, mais est-ce que tu te risquerais à, à faire un pronostic sur les deux qui, qui sortiront de ce groupe oh, C'est très très dur, parce que bah, justement, euh, on, on a l'habitude, je pense que vous avez probablement tous, si vous êtes en France, ou même si vous n'êtes pas en France, suivi euh, le, le City Real en, en, en Champions League, mais on parle souvent en Champions League du poids de l'histoire. Euh, en Libertadores, franchement, le poids de l'histoire aujourd'hui est complètement mangé par le poids de l'économie. Hein. Euh, quand vous fait. vous appelez national, vous visez plus le titre en Libertadores, alors que vous l'avez gagné quelques fois. Et Vincent le disait à l'instant, <laughs> ils ont même été champions du monde hein, national. Donc, euh, donc voilà. Euh, que ça soit Vélez estudiantes ou national, je suis pas convaincu qu'ils se disent on peut aller chercher la Libertadores. On, on, on est plus dans l'esprit d'aller chercher des beaux parcours. Est-ce que, est que Bragantino peut aller loin Bah écoute, euh, on verra. Euh, Est-ce qu'ils peuvent sortir du groupe Franchement, ouais. Euh, parce qu'aussi tu as les dynamiques, c'est-à-dire que Vélez et National c'est pas foufou euh, ces derniers temps. Euh, donc euh, je, 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 ils sont déjà en tête tous les deux, mais ça me surprendrait pas que ça reste ainsi euh, cette histoire. Je, donc, ouais, euh... Moi non plus. Surtout que dans la dynamique générale, on a Estudiantes qui, qui est invaincu depuis 10 matchs et euh, Red Bull Bragantino c'est 6 matchs aussi. Alors pour l'instant la, la série A, du Brésil vient de commencer donc ils sont septième mais on a que trois matchs joués donc au final l'échantillon n'est pas très grand et la dernière fois qu'ils ont perdu c'était contre Palmeiras donc euh, pas ouais. non plus contre contre un petit club non c'est ça si le... non non vas-y Palme... ouais, j'allais dire que même si Palmeiras a quand même bien raté son début de saison euh, du Brésil R1 on, on sait qu'ils vont revenir il n'y a aucun doute là-dessus c'est une équipe qui est archi favorite pour la Libertadores ah, pour oui, le titre oui. final oui, oui. qui a un excellent entraîneur des excellents joueurs et qui fait très peur euh, à, à tout le monde. très clairement. alors que pendant ce temps-là et pierre nous le signale dans le chat, sonora a ouvert le score pour vélez, justement. <laughs> donc à l'heure qu'il est, vélez euh, se rapproche, se relance un petit peu euh, dans ce groupe. mais c'est voilà. Et, et, et pour revenir sur euh, bragantino, qui on le disait était en finale de la sudamericana l'année dernière, euh, ils ont tapé Peña, ils ont tapé euh, Libertad, je crois, dans le groupe, dans leur parcours. Euh, ils ont tapé le, te, ils ont tapé euh, Independiente del Valle. Euh, ils ont tapé Central en gagnant au Gigante de Arugito, je crois. Mm -hmm. Donc euh, voilà, <laughs> attention Attention, est... Est ce ne sont pas, clairement pas les favoris brésiliens pour la Libertadores. Tu as cité Palmeiras, on peut, rajouter, euh, on peut rajouter Flamengo, on peut rajouter l'Atlético Mineiro surtout. Euh, Tout à fait. Qui, les est trois... bon, qui sont, je pense, les trois grands favoris de la Libertadores. Tout court, pas forcément que brésiliens. Euh, mais bon, voilà. Hein, euh, la Libertadores, c'est une campagne où il, faut taper, euh, il va falloir taper plusieurs Brésiliens hein, sur son parcours. Hein, donc, euh... Tout voilà. à fait. <laughs> Ça va être compliqué cette histoire pour, pour bien des clubs donc euh, voilà est-ce qu'ils peuvent sortir de ce groupe en tout cas je pense on va saluer Patrice qui vient d'arriver euh, je vois ton message Métis sur euh, l'équipe 21 qui avait diffusé la finale exactement de l'année dernière euh, Canal avait diffusé ah, la finale de 2020 de 2019 pardon euh, entre River et Flamengo euh, une finale à oublier euh, sauf si vous vous appelez Marcelin Chamois. <laughs> <laughs> mais, euh, <laughs> mais voilà mais oui généralement les, les télés françaises achètent éventuellement la finale voilà mais pour l'instant la compétition euh, le reste de la compétition non malheureusement c'est comme ça c'est comme ça et pour vous faire un petit point un petit point sur les scores on est à presque on est à 18 minutes de jeu un petit peu partout le seul but pour l'instant qui a été inscrit il est à il est en Argentine mais pas sur notre terrain il est du côté de Vélez Vélez qui mène en 0 donc face à National euh, le National uruguayen parce que les Nationals, il y en a plusieurs le national uruguayen, toujours 0-0 entre Independiente Petroero et Tachira, toujours 0-0 entre Libertad et justement le vainqueur de la dernière Sudamericana, euh, encore un brésilien, euh, l'Atlético Paranaense. Voilà, on va revenir un petit peu sur cette Estudiantes Bragantino, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur ces deux équipes-là ou sur ce modèle Red Bull. <laughs> Qui est plutôt intéressant d'ailleurs, on, on va voir comment ça se développe parce qu'on a une vraie concurrence entre le modèle Red Bull et le modèle City City, qui, qui est pour l'instant un club à monter vidéo. Ouais, euh, qui, avait, qui... qui avait noué un temps un partenariat avec euh, un club en Équateur, euh, Guayaquil City, euh, mais qui n'était pas franchement euh, dans cet esprit là. Je serais pas surpris de les voir débarquer à terme en Équateur, euh, les mecs de City. Donc, euh, mais oui, tu l'as dit, il y a, y a ce, ces deux, ces deux modèles-là qui sont similaires euh, dans l'esprit, euh, sont en train d'arriver en âme sud. Un tout petit peu, pas beaucoup. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. Il y a des pays où ils peuvent pas encore aller. L'Argentine, euh, par exemple. Voilà. <laughs> Parce que je pense que le jour où c'est possible en Argentine, on va en avoir un de chacun. Euh, oui. Et... Je pense qu'il ne faudra pas. <laughs> et on ne le souhaite pas on ne le souhaite non clairement pas bah après tu sais c'est toujours un équilibre c'est à dire que euh, je sais que ça ça, 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 ça irrite très fortement euh, Jérôme hein, le modèle enfin le modèle non le, le choix de Torquay hein, qui est un club on, attends, on va suivre cette offensive d'Estudiantes avec ce ballon côté droit le frappe contré il me semble de Del Prété à nouveau euh, et euh, mais, euh, mais, mais, mais très honnêtement, euh, le modèle de, de Montevideo City par exemple, euh, ils ont monté une académie, ils ont monté un siège, ils ont mis de l'argent, des structures, euh, ils, achètent les, ils essayent d'acheter les meilleurs jeunes uruguayens, ça permet aussi de les retenir au pays, c'est pas non plus trop mal dans le principe, c'est aussi pour ça je pense que le modèle est un petit peu accepté, euh, il ouais, y a eu faute. Ça, ouais. ça peut... Voilà, quand tu vois par exemple que dès qu'un gamin fait trois dribbles en Uruguay, ça y est, il part. Alors maintenant en plus ils partent en MLS, euh, les Uruguayens ne peuvent plus retenir leurs joueurs, hein, quels que soient les joueurs. Ils n'ont absolument pas de moyens. Les Argentins en ont pas beaucoup, mais alors les Uruguayens encore moins. C'est encore pire, c'est bien. Donc, tu arrives à retenir quelques. S'ils si arrivent à retenir quelques U20, euh, quelques années, euh, du côté de Montevideo City, de leur faire acquérir de l'expérience continentale. On les a vus faire des tours préliminaires de Libertadores. Voilà. Euh, à voir comment ça va s'organiser sur la passerelle, parce que elle n'est elle est pas encore évidente, la passerelle entre les différentes filiales, hein, du côté de, de City. Euh, City, on en oh, a. Vraiment Red Bull. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ou Red Bull, euh, voilà. On parlait de Salzbourg et Leipzig en Europe. Euh, on sait que le New York euh, en MLS est une véritable passerelle vers l'Europe. Il euh, y a les meilleurs joueurs, euh, les meilleurs jeunes euh, du centre de formation de New York Red Bulls. Euh, les étés partent faire des, euh, des stages, euh, soit du côté de Salzbourg, soit du côté de Leipzig. Et certains signent même déjà des pré-contrats. Et attention à ce ballon euh, en contre euh, pour, euh, pour Bragantino. Il va éliminer. Peut-être parvenir à centrer. Ça va être coupé plein axe. Le ballon va peut-être revenir à l'entrée de la surface avec une frappe à suivre de Luan Cadido. Non, c'est un peu loin quand même pour frapper. Jadson, justement. Et euh, euh, attention. On va sur, On va sur à la fin de cette action. Et on reviendra un petit peu à, après sur ce modèle. Parce que c'est parti côté droit avec un nouveau débordement. Un centre contré. Ça va donner corner. Et euh, voilà, il y a des vraies passerelles avec euh, avec Red Bull. Euh, pour l'instant, il y en a pas vraiment avec le club brésilien. Euh, je pense par exemple à Claudinho. Hein, il est allé au Zénith. Il n'est pas passé à Salzbourg ou à Leipzig. À voir vrai. si d'autres. Euh, à voir, par exemple, ce que va faire le petit Jackson <laughs> dans quelques oui, temps. Ça nous, ça nous donnera une, une indication. Impression. Mais euh... au-delà de ça, euh, le Brésil s'est ouvert. Euh récemment à la, la possibilité d'avoir des, des entreprises qui, ouais. qui acquièrent une partie du capital. On l'a vu par exemple avec Vasco, euh, avec le groupe 777. Je ne sais pas comment. 777. J'ai un doute sur la prononciation. Un groupe qui, qui fait qui, parler de lui un petit peu en France. En France, <laughs> tout à fait exactement. J'ai vu la vidéo de Romain Molina euh, il y a, cet après-midi, il me semble. Bah, c'est pour en fait... ça que ça. Me... Non, bah, en fait, Dis disons, il, il y a eu euh, surtout euh, de gros débordements euh, du côté du Red Star euh, la semaine dernière en National. Parce que, voilà, euh, du... c'est vrai que voir ce genre de groupe-là arriver dans un club comme le Red Star, euh, bon, voilà. <laughs> Qui est censé véhiculer, une cer... enfin, représenter aussi, surtout, un certain héritage. Euh, voilà, ça pique un peu. Hein, euh... Donc, euh, voilà. Euh... Je ne sais pas si vous avez suivi le match de National euh, où ça s'est passé. C'était contre 7 la semaine dernière. Euh, voilà, euh, bravo, euh, bravo au, au commentateur de, de la FFF euh, qui a tenu 50 <laughs> minutes, mais incroyable hein, euh, pour avoir suivi un peu, pour, enfin pour avoir suivi le match. Euh, il a, te... oh, attention, le Ouh. ballon, il est passé et la frappe derrière qui va s'envoler. C'est mal joué, dommage. Ouais, c'est très mal joué. Il y avait Boselli euh, qui avait appelé à l'opposé, ça n'a pas trop levé la tête, mais euh, voilà, le commentateur de FFF TV euh, nous a fait 50 minutes euh, d'attente. <laughs> Et 50 minutes seul à meubler. C'est long. C'est très, très long, euh, en n'ayant pas forcément beaucoup d'infos. Euh, lui, il avait la chance d'être au stade, donc ça pouvait remonter un petit peu au niveau de certaines infos. Mais euh, euh, mais voilà, attention à ce ballon au côté. Ouh, s'il était pas a la passe à droite. Ouais, exactement. Mais ça a été bien taclé. Et on va pouvoir se relancer côté Estudiantes. Ouf, avec un joli découpage. Est-ce qu'on va avoir droit au premier carton du match Ouais, ouais, on va avoir ouais. le premier carton du match. Parce que, parce que Castro, <laughs> il s'est fait découper par Luan Cambigua. Mm. Et euh, moi, je me souviens, alors je sais que hein, ça va ça va te titiller, mais euh, le Boca Reeds, le fameux Boca <laughs> River, euh, à l'époque, je commentais sur RMC, euh, et on était deux hein, en cabine. Et bien, je peux t'assurer que c'est très, très, très compliqué. Hein. <laughs> deux heures. Deux heures, ils ont mis avant de. Et, 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 et tu sais jamais si tu dois rendre l'antenne ou pas, et nous c'était dans le sens, un le côté pire de la chose, c'est que euh, bon, pour le coup on avait véritablement aucune info, mais rien, et euh, on avait éventuellement le retour euh, en tendant l'oreille, on arrivait à entendre de temps en temps deux trois trucs, mais on savait limite même pas ce qui s'était passé. Donc, euh, c'était incroyable. Donc, là, 50 minutes, voilà. Donc, le fameux groupe 777 est à Vasco. <laughs> si je me Autre club euh, particulier, quand même, hein, Vasco aussi. C'est clair, complètement. Qui est okay. d'ailleurs le club avec le plus de sociaux du Brésil, qui, euh, qui commence à croupir en série B. Alors, euh, j'allais dire, c'est surprenant. Mais euh, elle est solide puisqu'on a justement Cruzeiro, euh, euh, Grêmio et, et Vasco du coup. Ouais. Mais euh, les trois pour l'instant, c'est le début de saison. On ne rappelle, on va, pas, on va pas faire de, on va pas tirer des conclusions hâtives. Mais pour l'instant, euh, c'est assez mal parti pour les trois. À voir comment ça se, ça se goupille cette saison. Mais euh, Cruzeiro, ça fait la troisième année consécutive. Vasco, la seconde. Ouais. Grêmio vient juste de descendre, donc on va voir ce que ça donne. Mais, ouais, euh... mais mais mais, mais c'est extrêmement piégeux hein, parce qu'il y a quand même là, tu parles de grands euh, il y a quand même des équipes très très solides hein, euh, euh, il y a du Bahia euh, il y a du Chapecoense il y a du Sport euh, la Ponte Preta c'est pas trop mal non plus euh, voilà il y a de la concurrence en série B on a des habitués c'est clair tout à fait ça et euh, j'allais pour revenir au, au fonds d'investissement on a Botafogo qui était descendu également qui a également été repris par euh, la Personne Qui a Leicester, il me semble, si je dis pas de bêtises, ah, c'est possible. Le, le propriétaire de Leicester, Peter, quelque chose de me... Ah, Peut-être, j'ai un doute, mais je sais qu'il y avait eu des, des publicités pour Botafogo dans le stade de Leicester, où j'étais un petit peu euh, surpris. <laughs> mais euh, pareil, qui investit, même si euh, par exemple, euh, ils ont peut-être l'argent, mais par exemple, si on prend un cas concret qui, qui s'est passé il y, a, il y a peu de temps, euh, tout était réglé entre Botafogo et, et Oscar euh, et Oscar Romero, le paraguayen. Et au final, euh, Boca est venu, Boca l'a demandé et, euh, et on s'est retrouvé avec Oscar. Alors que tout le long du mercato, on avait voulu son frère, Angel, mais on a terminé avec Oscar, qui pour l'instant euh, donne satisfaction. Mais comme quoi, euh, l'argent ne fait pas tout encore euh, sur le continent, mais il contribue euh, très oui. largement. Bah après, voilà, c'est-à-dire qu'après, c'est en termes de puissance économique. Euh, euh, en Argentine, il n'y a franchement que Boca et River qui arrivent à résister un petit peu par le poids de l'histoire et leur parcours habituel. Même si les parcours continentaux de Boca ces derniers temps sont plus compliqués, mais ça reste Boca. Euh, C'est voilà. Ils s'en sortent au, au grâce final, à ça pour l'instant. C'est clair puis au final, si tu regardes, bon euh, l'année passée, on sort contre ah oui, l'Atlético, c'était un petit peu douteux. Oh bah, euh... ah, t'es poli. <laughs> <rire> <rire> Ouh, l'occasion! Italo qui a failli se prendre le ballon devant Andujar, mais euh, il est sorti, le gardien. Il était peut-être hors ça jeu, peut parce que je vois que l'arbitre a le bras levé. Hein. Et pour répondre à la question de Patrice par rapport à la diffusion des matchs, il euh, y a peut-être un peu de ça. Euh, écoute, je t'avoue que pour avoir commenté pour RMC pendant euh, plus de 3 ans, euh, on commentait même des matchs à 2h du matin qui, étaient, qui passaient en rediff, euh, qui passaient en, en différé. Euh, il m'est arrivé d'enchaîner deux matchs en fait. Le match en direct à minuit 15. Franchement, un match à minuit 15 à la télé, ça passe. Hein euh, ça passe. Après, des problèmes. Ouais, il y a des petits problèmes logistiques en termes de, de production. C'est-à-dire que sans rentrer trop dans le détail, mais euh, quand tu, tu passes sur des matchs la nuit, euh, ça ne peut pas être les mêmes équipes en régie que celles qui ont fait la soirée. Donc tu es obligé de faire venir d'autres personnes. Euh, donc tu es obligé d'avoir d'autres équipes, des équipes de nuit. Et forcément, euh, ça a un coût aussi. Euh, et voilà mais euh, après en termes je peux pas je pourrais pas te dire en termes d'audience parce qu'on nous a jamais donné les chiffres euh, voilà euh, mais, euh, mais bon oui c'est sûr que ça doit pas non plus euh, quand tu commentes un, un match de groupe de c est, c est, imagine un match de groupe de Champions League européenne commenté à 3 h du matin euh, voilà je suis pas sûr qu'il y ait euh, 350 000 personnes devant toi. Devant, devant, devant la chaîne. Donc, c'est sûr que. Voilà. Mais euh, donc, les horaires, c'est un problème, oui et non, en fait. Euh, généralement, ça allait. Mais je me souviens avoir fait de la Gold Cup à l'époque de ma sport, avec des matchs à 3-4 heures du matin. Et je peux t'assurer que quand on faisait Haïti, euh, la communauté haïtienne de France était devant ma sport. <laughs> Parce que ça réagissait de fou à l'époque. Et c'est une vieille époque, hein, c'est 2015. Euh, donc, les réseaux sociaux euh, comme Twitter étaient, bon, étaient déjà là, mais pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Et je peux t'assurer que ça réagissait. On, on passait de super soirées, hein. <laughs> franchement. Quand on commentait la Gold Cup avec, euh, avec Haïti, avec. Euh, je sais plus s'il y avait la Martinique en 2015 qui était qualifiée, mais je me souviens d'Haïti. Et c'était dingue, quoi. Donc, euh, voilà. Mais bon, c'est des choix après. Hein. C'est des choix éditoriaux. Euh, on peut pas. Euh... On peut pas lutter, on peut que. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, Métis disait tout à l'heure que les matchs sont diffusés, les finales sont diffusées. Et très honnêtement, je ne comprends pas l'intérêt de diffuser la finale d'une compétition que personne n'a suivie. Voilà. Oui, Et... tout à fait. Bon, après, c'est parce qu'en général, tu vois, même la dernière Et... finale bon, ou la récupération. Excellent. Ah oui, puis le petit dribble derrière, euh, presque un hommage à D'Alessandro, hein, avec ce qu'il lui a fait, la roulette arrière avec le petit pont. Ouais. <laughs> Il me semble que c'était Castro hein, sur le côté. Ça peut être Manuel Castro sur ce côté-là. Euh, mais bon, voilà. Donc, euh, voilà. Moi, je ne je sais pas. Je... Autant le River Flamengo, je comprends que Canal ait eu envie de le passer parce que River Flamengo, ça excite du monde. Euh, bon. Le Palmeiras Flamengo l'année dernière, il était plus compliqué à vendre hein, quand même. Surtout après le Palmeiras ouais. Santos dégueulasse de l'année d'avant. C'est clair. Et puis même, au final, euh, Palmeiras, je ne sais pas. En France, que, quelle image ils ont Quand on va demander de citer des clubs brésiliens, ça va être Fla, ça va être Santos, Sao Paulo. Ouais, Fluminense. Et... Ouais, ouais. Corinthians enfin, surtout. Corinthians, ok. Ouais, est... Grosso modo, de toute manière, entre Flamengo, qui est bien en avance, et Corinthians, qui est juste second, on a quand même deux des, des Inchadas les plus, les plus nombreuses d'Amérique latine en général. Ouais assez incroyable, tu te balades au Brésil, tu vas tout le temps croiser n'importe quel état, tu croiseras des maillots de flamingo, tout le temps. Ouais, après ils sont aussi, euh, ils ont une très très forte, euh... alors tu as dit Inchada hein, version mais Argentine, mais et après Torcida. ils sont extrêmement euh, extrêmement bien organisés aussi au niveau, euh, au niveau du marketing, des boutiques. Enfin, euh, moi, euh, je me souviens quand on est allé au Brésil, euh, franchement, euh, le mec qui te dit j'ai pas trouvé un maillot de flamingo, c'est qu'il est resté dans sa chambre. Hein. Donc, c'était bien Manuel Castro qui nous a fait une d'Alessandro sur euh, Louan Candido. <laughs> C'est sympa. Si. Regardez le 9-10 d'hier. On vous a mis toute une petite, euh, une petite, euh, une petite compilation de ce dribble-là. Euh, la, la, la bobade d'Alessandro. Voilà, il vient de nous faire exactement la même, où il s'arrête, il fait une petite roulette vers l'arrière et il enchaîne avec un petit pont pour redémarrer vers l'avant. Euh, voilà. Euh, pendant ce temps-là, National, comme le dit Pierre dans le chat, a égalisé but de Gigliotti, alors que Florentine a été exclue à la 18e minute. Euh, C'est pour l'instant le seul stade où il y, euh, y a des buts hein, en Libertadores. Et si on étend un petit peu, il y a de la Sudamericana. Il y a deux matchs de Sudamericana. Il y a Independiente qui joue contre le Deportivo La Et il y a General Caballero qui accueille un brésilien. Ceará 0-0 dans les deux autres rencontres. Donc pour l'instant, pour l'instant, euh, voilà. C'est pas l'avalanche de buts. Mais ça va venir. Ça va venir. Même si là, euh, ça, euh... le match est intéressant en soi. Ouais, le match en est fait. hyper intéressant. On a une grosse possession de balles. Hein. Euh, on s'y attendait. Hein, côté. Euh... Côté Red Bull, j'ai vu passer le chiffre, il me semble avoir vu passer du 64% de possession. Euh... Je vais pouvoir te confirmer ça sur Sofa tout de suite. Euh, 66% sur Sofa, 66%, eh ben, 66 pour 66. Red Bull, 34%. Voilà. En fait, tu sais, ça varie toujours en ouais. fonction de, ouais. du provider. Mais ça change, voilà, ça change pas l'esprit. <laughs> On est sur presque du 2 tiers, 1 tiers de possession. On s'y attendait un petit peu. On l'a dit Aucune tout surprise. à l'heure, c'est une opposition de style. Astudiantes ce n'est pas une équipe qui va... Euh qui va vous étouffer par sa possession, euh, mais qui va vous, euh, vous tuer par son efficacité, même si on le disait ces derniers temps, euh, l'efficacité elle est là, puisqu'ils ont pile les buts, mais, et puis au final c'est eux qui ont, euh, qui ont les deux meilleures occasions du match hein, pour l'instant, il y en a peut-être une autre qui arrive avec ce ballon de Bosseli, contré, deuxième chance, ça va arriver sur le côté gauche, voilà le centre à suivre, c'est contré à nouveau, deuxième chance peut-être, il va falloir éliminer, et le ballon est perdu, gratté par André Hurtado, mais récupéré derrière le dribble et Saint-Paul. Le centre en retrait, peut-être il va aller jusqu'à la ligne. Le voici le centre Et ce ballon qui a été boxé par Clayton. Est-ce qu'elle a été détournée, cette balle de Pellegrini C'est bizarre, hein le centre derrière. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça fait corner. Et toujours, hein, toujours cette capacité à être le plus dangereux côté Estudiantes. À savoir également que Estudiantes c'est euh, en Ligue argentine. J'ai vu passer la stat tout à l'heure. Euh, c'est la troisième équipe qui, a, qui nécessite le moins de passes. Pour... <laughs> eh ben, ouh là là quelle occasion incroyable Alors tête au second poteau sur le corner. Et au second poteau c'est le cas de le dire puisque ça rebondit sur le poteau et ça revient sur un autre joueur d'Estudiantes qui est euh, face au but et... et qui rate. Concrètement ballon dégagé. Alors, j'ai pas très bien vu qui était. Il me semble que la tête c'est Bozelli au deuxième poteau. Ouais, et là, attention, ça repart. Ouais, ça revient côté gauche. Pour l'instant, c'est contrôlé sur le côté. Et on va pouvoir se dégager du côté euh, de Léo Ortiz et de, euh, et de Bragantino. Et non, même pas. Ça revient. Ouais, même pas. <laughs> ouais, et on, on peut dire sure qu'un qu ouais. peu de réussite pour, pour Red Bull Bragantino parce que Estudiantes, normalement, ne pardonne pas tant que ça. Bah, Là, on... ça fait deux fois. Ouais. C est, c est, c est... Ah, ben bah, voilà, on a l'Académie qui vient d'arriver, supporter d'Estudiantes. <laughs> Bien, bah, écoute, bonsoir à toi. Euh, tu as raté euh, Je pense que tu n'as pas raté. J'imagine que tu peut es peut-être déjà devant le match depuis tout à l'heure. Ou tu as vu, euh, pour l'instant, bah, les, clairement, les meilleures occasions sont pour Estudiantes. On pense à cette occasion de Del Et à l'instant. Avec ce poteau euh, tout trouvé, attention avec ce là, nouveau centre, ça va être dégagé, reprise de volée derrière, volée. et ça s'envole. La reprise de Castro, et on va revoir le ralenti de ce corner rentrant, qui rebondit, il rebondit sur le poteau, j'ai eu un doute si c'était Clayton qui le boxait. Deux fois le poteau. Ah ouais, poteau, et derrière c'est Rogel, hein, je crois, qui euh, qu qu est franchement à un mètre de la ligne. Hein. Après, c'est dur. Elle, est dure, position, ouais, elle est, est dure, ouais, elle est dure. C'est quand même dur, de, dur à reprendre, vraiment. Et c'est Clayton qui fait un arrêt incroyable hein, sur la première. Euh, sur la tête, Clayton boxe le ballon. Et euh, ouais, Rogel, c'est dur. Hein. Il, il la reprend comme il peut en réflexe euh, du bout du pied. Et ça, euh, ça tape le poteau. <laughs> ah, ok. Donc l'Académie est pour Estudiantes parce qu'il est contre les Brésiliens. Ouais, j'allais dire avec un pseudo comme ça c'est quand même étonnant de C'est vrai. Euh... Enfin, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, qui doit être content du coup, la KDV, j'imagine, de la Gagonetta, euh, qui tourne très très bien et qui propose un beau jeu. Pour, euh, pour les avoir vus en live d'ailleurs. Ouais. Et qui se fera taper par Boca en quart de finale. <laughs> On va voir. Ah <laughs> pas évident qu'on termine trop quatrième. Ouais, c'est vrai, c'est pas sûr. Même si euh, il nous reste à jouer Tigre, Tigre, et, et qui d'autre J'ai un doute. Euh, en tout oui. cas, les, les, deux, les deux matchs qui restent à Boca euh, après celui de ce week-end, c'est pas si simple parce qu'on a un Tigre qui est, qui est très bon. Ah oui, oui, oui. Eh ben écoute, je vais te dire ce qu'il vous reste. Je vais regarder. Merci. Tigre qui, qui a un joueur de Boca à la baguette, euh, qui est Qui Fernandez qui est très bon, qui est prêté par Boca et qui, euh, je pense, devrait revenir euh, en juin. Vu nos, vu nos milieux de terrain actuels et, <laughs> et ce qui manque un petit peu dans le jeu. Pourtant, on, on a de la qualité, hein, c'est ça qui. qui ouais, un très honnêtement, peu. je pense que c'est pas un problème de joueur hein, à Boca. Non, 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 clairement pas. Mais là, vous, jouez, vous jouez Baracas ce week-end. Ouais, ce week-end. Mm -hmm. euh, ensuite, 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 euh, Tigre, tu l'as dit. Et puis, ça sera tout. Ah, c'est le dernier, d'accord. il reste deux matchs. Ah bon, bah, au bah oui. c'est ça, 14 matchs. Ouais, euh, ouais, 14 ouais, matchs, 13 plus le Classico. Mmh. Donc, euh, voilà. Et Boca est deuxième avec 21 points, un point, un point d'avance justement sur Tigre et sur euh, la sensation Aldo Zivi. Euh, Franchement, je ne les voyais pas là. Hein. Euh, non, non, moi non plus. Surtout, euh, Palermo, de ce qu'on avait vu en tant qu'entraîneur voilà. à la base, c'était pas… Autant que ce soit au Mexique ou, euh, ou au Chili, c'était pas. pas mais, mais Gago non plus, hein, en soi. Ce qui me fait un petit peu peur, honnêtement, pour Boca, parce qu'on va se retrouver avec l'un des deux euh, prochainement, j'ai l'impression. Euh, je sens que le chemin est tracé pour Gago. Hein. Ouais, tout à fait. Même <laughs> si. En, en fait, ce qui est un petit peu énervant, c'est que depuis, euh, depuis 2014, à chaque fois qu'on prend des entraîneurs, c'est toujours euh, un petit peu euh, dans l'urgence. Et même si euh, bah, Kicher, moi, c'était très bien, au final, il... même si, bon, il se passe ce qui se passe en 2018, mais au final... Ouais, mais au final, c'est le dernier boca qui joue bien. Hein. Exactement, tout à fait. Et bah, après, pour le reste, bon, euh, on ne peut pas non plus en vouloir à Alpharaud d'avoir fait ce qu'il a fait. Enfin, il fallait venir, en fait. Parce qu'après 2018, il faut se rendre compte de ce que c'est que venir dans ce boca-là et en sachant pertinemment que tu vas te faire bouffer. Il n'y a aucune autre option, en fait. Mm. Ça, ça ouais, peut puis, pas bien puis, se terminer. Et puis, j'ai envie de te dire que là, maintenant, euh, avec, avec Riquelme et euh, le board, c'est pire que tout. Hein. <laughs> ouais, au, là, niveau du, au niveau de l'atmosphère euh, irrespirable pour travailler, euh, je pense que là, on est, on est à des sommets quand même. Hein. C'est clair et c'est pour ça que si on change d'entraîneur, ce qui, à mon avis, va se passer, euh, ça va forcément se passer. Pour moi, les, les jours de Bataglia sont comptés. Euh, là, on a quand même bon, on a gagné le dernier match contre euh, Central Cordoba, mais pendant la première mi-temps, très clairement, euh, on s'est fait dominer par Central Cordoba. Et le match d'avant, c'était contre, euh, j'allais dire qu'il ne mais non, pas du tout. C'était contre euh, Godoy Cruz. Et pareil, Godoy ne gagne pas mmh. parce que au cage, on a euh, Javier, Javier García qui est qui, qui nous sort des parades extraordinaires. Mais on est quand même sur deux clubs qui vont descendre, quasiment ça. 100 et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un Boca aussi pauvre dans le jeu, et pourtant c'est un des plantels, un, un des effectifs les plus riches, variés depuis quelques années, parce qu'à à toutes les lignes on a des bons joueurs très clairement. Ouais, mais c'est ça, mais c'est clairement ça. C'est franchement c'est vraiment pas un problème de joueurs. Euh, c'est vraiment pas un problème. Bon, il y a quelques cas euh, particuliers, tu vois. Tu parlais tout à l'heure d'Oscar Romero. Euh, bon courage pour le gérer sur la durée. Euh, mais bon, euh, Boca. A on n'a déjà pas hein. les deux. C'est déjà bien, on n'a déjà pas les deux. Il y a déjà pas les deux, deux c'est déjà la bonne chose. On est d'accord. Mais déjà, rien qu'un, ça peut vite être le bordel. Bon, après, hein, euh, quand, tu as, quand tu arrives plus ou moins à gérer euh, Villa et que tu as vécu avec Cardona, bon. <laughs> oui, bah, en fait, on a l'habitude. C'est ça. C'est un peu énervant, c'est que ouais, qu'on a l'impression que Boca recrute les joueurs les plus idiots qu'on trouve. <laughs> Euh, on a quand même une belle brochette depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Et on a des joueurs en fin de cycle qui, qui veulent partir, qu'on ne laisse pas partir. Fabra, par exemple. Euh, il, ça fait très longtemps qu'il est à Boca je pense que mais bah, Fabra, service ça fait, rendu. Mais Fabra, Fabra, ça fait très longtemps qu'il aurait dû partir. Exactement. Et il a eu l'occasion. bien le vendre il y a quelques années. C'est le même cas que Pavone. Pavone qui va partir gratuitement à l'Atletico Minero. Pavone qui a été géré, mais euh, enfin, voilà. Ce qui est rare, hein, parce artiste. que ce qui est, ça, ça a changé, ça, parce que tu vois, jusqu'ici, euh, jusqu'ici, franchement, Boca est le club argentin qui sait le mieux vendre. Euh, moi, je me rappelle m'être fait défoncer sur Twitter, donc j'évite de citer son nom, mais euh, quand ils vendent Ben à la Juve, et franchement. Surtout avec les 50%. Ah ouais Et moi, Ben je, je dois admettre que je suis admiratif de ce qu'il fait en Europe, parce que je m'y attendais absolument pas. C'est un joueur que. Vous pouvez déterrer mes anciens tweets, je n'aimais pas forcément. Peut-être également parce qu'il n'a pas le profil Boca. Il est uruguayen, c'est clair, mais euh, ce n'est pas l'uruguayen typique, on va dire. Et, et il n'avait clairement pas un jeu fait pour Boca. Bah, Donc, après, euh, indépendamment ouais. de ça, c'est surtout quand tu vois pour quelle somme il part. Euh, hyper élevé. C'est 15 ou 20. Je crois que c'est. J'allais dire 20, mais c'est entre 15 ouais, et 20. C'est possible que ce soit 20. J'allais dire 20, mais j'ai un doute. Et. Euh, et très franchement, il a quand il part, il a, il a zéro grosse expérience et franchement, il a convaincu personne. Euh, euh, sans faire de parallèles euh, qui n'en sont pas, mais il euh, euh, y a eu d'autres joueurs dans d'autres clubs où tu te dis, lui, il faut qu'il parte en Europe. C'est, tu vois, bon, après, et, et assez bizarrement, Bentancourt finalement, il l'a fait sa carrière en Europe. Il est indéboulonnable en sélection et il fait ses matchs vraiment. Il euh, y a encore des critiques à son sujet sur sa, les grands matchs, on l'attend dans ces grands rendez-vous là, mais bon, le fait est que Ben il est là quoi. Et, euh, fait. Et, et voilà, il a été payé très cher à l'époque. Je pense qu'il serait payé moins cher aujourd'hui euh, en termes de transfert. Mais tu vois, ouais, par exemple, fait. moi je me souviens de Craneviteur époque River. C'est ce que j'allais dire. Il était injouable Craneviteur et pourtant c'est un flop absolu en Europe. Euh, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Surtout que ouais, du côté de River, bah là on va voir par exemple euh, Alario, euh, Non, pas Alari. euh, Alvarez. Euh, Alvarez. Mais typiquement Alvarez, on le sait tous que l'Argentine est trop petite pour lui. Je veux dire, euh, ça se voit. C'est bon. c'est ré... il... Lui, par contre, il, il est aller. mûr. Mais tu vois, il est dans un autre type de processus parce que Julian, par exemple, euh, il était là déjà en 2018 à la finale. Il entre. Oui, tout à fait. Donc tu vois, ça fait quatre ans qu'il joue au plus haut niveau à River. Et ça se voit dans sa progression. Euh, ben on ne la voyait pas, la progression à l'époque. Quand il a quand il est signé par la Juve. Donc euh, bon, non, je me non, souviens qu'à l'époque j'étais plus que dubitatif. Moi j'avais encore en tête, euh, bah franchement aller sur YouTube, hein, mettez Bintan coursant de Lorenzo, vous allez voir ce qu'il fait. Hein. Et euh, et il en était, il en faisait, <laughs> il en faisait souvent des boulettes de ce genre euh, Bintan. Ouais. Et, et oh là voilà, là. il était oui. pas prêt concrètement. Et pourtant voilà, il a mûri. Donc comme quoi hein, c'est vraiment la règle. Et euh, à la limite c'est peut-être le message qu'on peut faire passer parce que euh, nous avec euh, avec Lucarno Posé, hein, euh, on a encore, on y a encore eu droit année avec Gerson. Hein, euh, donc voilà. Euh... ou la sortie de Clayton. Attention, parce que le ballon va revenir. Il va peut-être y avoir une possibilité de centre, peut-être. Excellent. Ouais, le voilà, le centre. Et c'est détourné au premier poteau par Léo Ortiz, me semble-t-il, qui s'est jeté. Mais voilà, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de règles, concrètement. Euh, comme il n'y en a pas dans nos championnats à nous, quand un joueur passe, euh, je vais prendre un exemple idiot, de Angers euh, à, euh, à Lyon. Je ne sais pas si ça arrive, je n'ai pas d'exemple en tête. Mais euh, voilà. Il <laughs> n'y a, a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Euh, et donc voilà. Donc arrêtez de nous insulter quand on dit qu'un joueur est bon euh, si ou quand il est on dit qu'il n'est pas bon. Euh, voilà. Ben je me souviens qu'à l'époque, euh, franchement, il convainc. Personne, et même des supporters de Boca, Vincent en témoigne, ah n'était pas convaincus par, euh, par Ben et personne ne le voyait oui. percer en Europe. La plupart des supporters de Boca n'étaient pas fans parce que. Ah, on va dire pécho free un petit peu. C'est-à-dire que nous, on a plus l'habitude d'avoir un jeu euh, dur sur l'homme. Euh, il faut se battre, il faut suer pour, pour le maillot, comme on dit. Et Bentancourt, ce c'est absolument pas ce profil-là. Même si on sentait qu'il avait des qualités, balle au pied, tout ça, il n'y a, a rien à dire. Mais euh, c'est pas comme s'il avait prouvé, ce c'est pas comme s'il avait surnagé, alors que Jackson par exemple, euh, à Flamengo. Moi, les rares fois où je l'avais vu en Libertadores, par exemple, il ne m'avait jamais déçu. Mais c'est ça, mais euh, nous, euh, je sais que quand Gerson est arrivé à l'OM en début de saison, euh, Marcelin a fait son portrait euh, sur Hello. Voilà, on, on était tous euh, à peu près d'accord, tous ceux qui avaient vu jouer Gerson. Il euh, n'y avait aucun doute. Ouh, Attention à son ballon côté droit, le, cent le centre en retrait La voilà la réplique, entre guillemets, euh, de Red Bull Bragantino, juste dans les arrêts de jeu, parce qu'on est dans les arrêts de jeu. De cette rencontre. Déjà, elle est assez animée quand même. Après, je vous ferai un petit point sur les scores. Il faudrait que je les mette à jour parce que ça a bougé, ça a bougé en Bolivie. Coup sur coup. En une minute, là, à l'instant, je peux vous le dire, Tachira a ouvert le score par Uribe et égalisation de Campos dans la foulée. Dans la minute qui a suivi. Et il y a un carton jaune pour, pour Godoy. Et le corner qui va signer. C'est. Et le corner qui donne rien pour l'instant. Non, Après, du tout. Ouais, rien du tout. Est-ce qu'on va aller le chercher ce ballon Il n'y a pas de hors jeu là, non il va, ouais, il va pas s'en sortir sur le côté. Et on va pouvoir... Peut-être... Peut-être... Oui, c'est revenu en retrait. Il revient dans le couloir. On va Ils ont du mal sortir. à sortir. Ouais, ouais mais c'est justement, j'attendais le moment de voir s'ils allaient s'en sortir, les gars d'Estudiantes, là. Ils s'en sortent pas vraiment même. Avec euh, le ballon qui est revenu dans les pieds euh, des visiteurs côté droit. Et le centre à venir. Bien, le voici. Ce ballon qui est dégagé de la tête. Et qui va revenir plein axe. Et en là, pour le coup dégagé. Il n'y aura pas de contre-attaque. On a quasiment mangé les deux minutes de temps additionnel. Il va falloir laisser la fin de l'action avec Italo qui a joué en remise. Et ce ballon qui est à nouveau dégagé. Là, il y a un joueur au sol. Et la main, ouais. ouais. Euh, je ne sais pas dans quel sens il va siffler l'arbitre là pour le coup. Ouais, il me semble qu'il y avait faute de Boselli, voilà faute de Boselli et carton, euh, pas carton, euh, coup franc pardon. Euh, pour Red Bull Bragantino Ah aussi, et ça va être la fin, il va, il va siffler tout de suite. Ouais, je crois qu'il a sifflé même. Euh, jaune Godoy. pour Godoy, ouais, ah mais ça c'est de l'action la, antérieure. C'est ça. On nous a mis le ralenti pour nous expliquer pourquoi Leonardo Godoy avait pris un carton jaune. D'ailleurs, je vais lui mettre son carton jaune. Comme ça, vous aurez la fiche à jour et c'est la mi-temps. Hein. Ici, Ouh, à, ça s'est bien rempli hein. à la place bien ouais. rempli. Exactement. C'était un peu la crainte hein, au début. Avec les ça me surprenait. On en, parlait, on en parlait, en off et on avait les tribunes très, extrêmement vides cinq minutes avant le, avant le début du match, qui nous surprenait tous les deux. Et au final, non, 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 belle ambiance au Stadio Uno qui est un très, très beau stade. Vous avez l'occasion d'y aller? Je vous recommande, même si la Plata n'est pas vraiment à côté de Buenos Aires, c'est pas non plus très très loin, une heure de train à peu près depuis Constitution. Euh, si vous avez l'occasion d'y aller, tout comme euh, El Bosque, ah, qui oui. est aussi un, un stade intéressant. Ah voilà, on n'est pas dans le même esprit, hein. Mais, euh, non, du tout. Mais <rire> <rire> mais Mais effectivement, on n'est euh, pas dans l'esprit. J'étais en train de regarder un truc, j'étais en train de mettre à, à jour les, les scores, je voulais vous les mettre, les scores à la. À la mi-temps, je vais basculer comme ça et je vais vous mettre les scores. Les voici. Ça s'est pas mis à jour, alors je vais vous les mettre à jour. Qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Probablement ça. Probablement ça. Et voilà. Normalement, là, ça va se mettre à jour. Voilà. Vous les avez les scores. Un but partout entre Independiente et Petrolero. Et le Deportivo Tachira, c'est la mi-temps. Hein, sur tous les terrains de Libertadores, c'est des arrêts de encore du côté de Vélez. Euh, parce qu'il y a eu un rouge aussi distribué. 0-0 entre Libertad et l'Atlético Paranaense. Un but partout pour l'instant entre Vélez et National. On attend que ça soit véritablement la mi-temps. Et 0-0 ici entre Estudiantes. Et le Red Bull Bragantino, première mi-temps intéressante quand même, hein, avec Estudiantes qui s'est procuré les meilleures situations au final, même s'ils ne sont pas ceux qui ont le plus de ballons, mais ce sont ceux qui ont les plus grosses occasions. On pense à cette euh, d'entrée de match, celle de Del Prete, et à cette double occasion, Bosselli, et je crois que c'est oui, Rogel derrière. Bosselli de la tête, sorti par Clayton, et dans la foulée, Rogel qui trouve le poteau. Euh, bah, il est, tu vois, on avait choisi ce match-là, il est pas mal, hein, ce Estudiantes SRB et Aucun regret. Et euh, j'en profiterai pour ajouter les, les résultats de la Sud-Américaine dans le groupe G, où on a euh, Independiente qui joue en, en Venezuela, de même, Deportivo La Guaira, 0-0, ouais. et euh, General Cabachero contre Seara, 0-0 aussi. Dans un groupe où, euh, pour l'instant, le Rojo Independiente est condamné à gagner puisqu'il euh, puisqu a perdu au Brésil. Et on rappelle que seul le premier de chaque groupe passe en, en Sudamericana. Ouais, la Sudamericana, c'est une merveille. Hein c'est euh... <laughs> une merveille de. De compétitions euh, méprisées par ses propres institutions. Euh, vous le voyez, les matchs se, se jouent en même temps que la Libertadores. Euh, donc, forcément, ils sont quasiment invisibles. Imaginez, mettez des matchs d'Europa League un soir euh, de Ligue des Champions. Eh ben, sauf si vous êtes supporter du club qui est engagé, vous ne verrez pas ces matchs-là. Euh, très souvent. Et on est dans des groupes. Hein, euh, voilà, hein, Vincent le disait à l'instant. Euh, on a huit groupes de quatre mais on n'en a qu'un seul qui sort par groupe parce qu'il faut laisser la place au troisième euh, de la Libertadores. Euh, les huit troisièmes de Libertadores arrivent euh, en, euh, bah en, en huitième de finale. J'allais... Ouais, euh, 16 équipes, huitièmes de finale. Voilà. C'est... Euh, ouais, ouais, c'est <laughs> une expérience... Ça m'étonnerait que ça des, reste. l'Académie. Ça m'étonnerait que ça reste, et à mon avis, on va plutôt se diriger comme un modèle un petit peu en Europe, où on va avoir une sorte de barrage entre, je pense, entre le troisième de, de groupe de la Libertadores et, et au moins le second. Ce serait un minimum de justice. C'est bah, quand même horrible. Oui ou pas? Euh, très franchement, pour l'instant, la Conmebol n'a pas l'air de vouloir trop bouger là-dessus. Euh, et voilà. Et on rappelle que, en plus à cela, vous rajoutez le nombre de participants argentins et brésiliens. Je veux dire, en sud Américana, vous jouez contre le 13e du dernier championnat de Brésil. Quoi. Donc, euh, Même le 15e, ça allait jusqu'au 15e. C'est allé jusqu'au 15 Il y avait un ventre mou au Brésil de deux places. Non, une seule place. Tout à fait. Une seule place. Donc euh... Parce que Palmeiras a gagné la, parce que c'est un Brésilien qui a gagné la, la... la Libertadores en fait. Je pense. Et parce que c'est un Brésilien. Il y avait deux Brésiliens en finale de Libertadores et il y avait deux Brésiliens en, en finale de sud sud-amérique de... Exactement. Donc Mais euh... sinon même en temps normal on a quatre qui descendent, deux qui ne joueront rien et tout le reste en, en Sud Amérique, ou Libertadores. C'est ça. Donc imaginez appliqué à la Ligue 1, vous êtes en ce moment, vous êtes saint etienne Clermont, 3 Bordeaux, vous pouvez, enfin Bordeaux non, saint etienne 3 à Clermont, euh, vous pouvez passer d'un barrage euh, contre une équipe de Ligue 2 à euh, euh, à l'Europa League. <rire> <rire> ouais, complètement. <laughs> Voire pire, parce que quatre équipes qui descendent, c'est pour ça aussi qu'on en parlait en début de live que la série B du Brésil est, est assez relevée. C'est qu'on a quand même quatre clubs qui descendent. C'est beaucoup. Ouais. Et on a quand même une, une ligue qui est quand même compétitive. Parce qu'on a beaucoup de très bons clubs au Brésil. Même si on ne le voit pas forcément tout le temps euh, en compétition internationale, même si ça va mieux ces, ces dernières années. On a des, des clubs qui, qui sont très bons historiques. Et... Bah, en fait, tu le, vois, tu le vois sur la durée avec les autres. Euh... Et euh, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, tu vois, quand on évoquait sur euh, est-ce que Bragantino peut sortir de ce groupe-là et jusqu'où peut aller Bragantino. C'est-à-dire que pour les autres, les autres, ce sont les Argentins, euh, ce sont euh, essentiellement les Argentins en Libertadores, euh, un peu les Équatoriens quand même aussi. Mais euh, si tu veux aller au bout, il va falloir que tu sortes plusieurs Brésiliens. Et à la du sur la durée, c'est toujours très compliqué. Tu vas en sortir un, tu peux en sortir un, mais alors enchaîner. Enchaîner les Brésiliens, c'est juste pas possible au bout d'un moment. Et euh, ce qui montre aussi, parce que c'est parce que des matchs très compliqués de jouer des équipes brésiliennes, quelles qu'elles soient, dans cette, dans cette Libertadores. Parce que c'est des groupes avec des puissances incroyables. On en avait parlé, on en a parlé un petit peu partout à l'époque l'année dernière. À l'époque de d'évoquer Paranaense et Bragantino, je me souviens avoir fait un podcast avec Nico Villas et Marcelin pour, pour RMC où on parlait de ça. Euh, euh, tu prends l'année dernière Peñarol euh, qui finit euh, qui fait une super campagne de Sud -Americana. Euh, Ils se font euh, ils, ils terminent ils gagnent leur groupe devant je sais plus quel Brésilien. Euh, ils, ils avancent et à la sortie des groupes euh, ils perdent euh, <laughs> ils perdent, euh, Terence qui signe à Atlético Paranaense qui les élimine en demi finale et ils perdent Piquerez qui signe à Palmeiras qui gagne la Libertadores. Voilà. <laughs> Euh... Fait. Et ce changement, de, tu, tu en parlais, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Il n'y a pas non. si longtemps, la Libertadores se jouait entre février et juin. Oui. Ce qui était quand même nettement plus intéressant parce que là, on parle de, de clubs euh, qui sont très, géants. Peñarol est un géant, mais actuellement, ce n'est plus ah, un plus. des géants. c'est tout à fait. Non. Mais on l'évoquait tout à l'heure en parlant du groupe là qu'on est en train de voir. Euh, Estudiantes, Estudiantes, normalement, c'est un géant. Euh, national c'est un géant ce n'en sont plus clairement pas à l'échelle des donc, continents ils n'en sont plus tout à fait et, et tout ça pour dire que même euh, des boca, des rivers river par exemple qui va certainement perdre euh Julián en juin, même si ouais, il faut gagner fait. un petit que, peu euh... d'argent sur le. La... Oh. Ouais, ouais, mais je crois que c'est fait. Maintenant. Il y a une petite clause ouais, 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 ouais. Ouais. De, de mémoire. Pep Guardiola l'avait ouais, annoncé. J'ai vu passer la news l'autre jour comme quoi ils avaient euh, rajouté le million et demi pour, pour qu'il arrive en juin. Tu, tu perds donc quand même des, des très gros joueurs. Moi, je me souviens toujours de Boca, c'était quoi C'était 2020, si je ne dis pas de bêtises. Où on va perdre Nandes, Benedetto... Et, euh, et un troisième, j'ai un doute. Nandes était resté bah, jouer Barrios. les… Ouais, c'est ça, Barrios, exactement. Tu, ben perd, tu, per, tu perds Nandes-Barrios, qui est euh, le cœur de ton jeu. Le milieu de terrain, exactement. <laughs> c'est qu ce qui faisait la force pas, de Boca. Pas les plus mauvais. Ah clair, bah non, de bah, 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 toute façon, dès que Barrios est parti, ça s'est vu. Hein. Tout à fait. Mais, euh... Et même Nandes… Ouais, mais mais, mais River, River va perdre Julian et a des chances de perdre Enzo Fernandez aussi. Hein. Ah, tu crois On va voir. Il y a des rumeurs. Ouais, comme Après, pour euh, mais... River arrive quand même bien à retenir ses joueurs. Je trouve que Ces derniers ce temps, ils y arrivent. J'aimerais bien qu'ils arrivent à retenir Enzo Fernandez quelques mois encore, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, au moins. Au moins voir ce que ça donne. Pour qu'il fasse sa vraie saison. Parce que là, autant l'année dernière, c'était la saison d'Alvarez. De... Euh... Et qu'il voilà, est toujours au niveau. Il est que... un peu moins sur un nuage qu'il l'a été. Mais bon, euh... voilà, ça reste quand même au-dessus du reste. Euh, Edzo Fernandez pour, pour le coup c'est vraiment sa grosse saison là pour l'instant donc euh, ça serait bien qu'il aille au bout de sa grosse saison mais mais et pourquoi pas avoir un match référence comme euh, moi je me souviens Julian par exemple c'est vraiment le doublé à partir du doublé contre Boca ouais. il a enchaîné de ah, manière ouais. incroyable ah, il a fait des trucs de fou derrière il enchaîne un triplé contre San Lorenzo euh, enfin voilà et derrière il marche sur l'eau derrière il marche sur l'eau fin de championnat il marche fin, fin de saison il a marché sur l'eau Ouais, donc, tout à fait. Et c'est là, là où on a vu que l'Argentine était trop petite pour lui clairement. Mais voilà, et voilà. Mais bon, je vois euh, Guardiola quel besoin euh, pour Alvarez s'il si, si signe Haaland. Oui, bah après Guardiola, il aime pas les neufs donc à mon avis, c'est Haaland qui jouera pas. Hein. <rire> donc, <rire> parce que je suis pas sûr que il va jouer sur un côté à Manchester City hein, s'il y va. Alors que Rolian ah, peut jouer sur un côté. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire que même si bon, à Land c'est difficile de refuser quand même. Mais... Oui, oui, mais bon, après, euh, l'histoire montre que Les Neufs et Guardiola, c'est n'est pas une grande histoire d'amour non plus quand même. Complètement. On va faire la bise à on va faire la bise Ibrahimovic, Thierry Henry qui a fini sur un côté gauche. Voilà. Et puis même, euh, j'allais dire, est-ce que City, c'est pas... Enfin, tu vois, par exemple, euh, bah, c'est un très grand club, mais est-ce que c'est pas trop grand même si c'est un excellent joueur, Roulian, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est-ce qu'arriver directement à City, c'est peut-être un petit peu dangereux aussi. On verra. Je suis d'accord. Mais ça va, tu, tu vois, ça revient à ce qu'on disait, euh, qu disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qu'on voit, on se dit euh, bon, il est, il est, il est au-dessus, il est monstrueux, faut il faut qu'il aille en Europe. Est-ce qu'il doit passer par une étape intermédiaire? Tu, on ne sait jamais en fait, parce que tu vois, si ça marche tout de suite pour Roulian, il aura bien fait de pas prendre siècle, une étape ouais. intermédiaire. S'il prend une étape intermédiaire, euh, quand tu t'appelles River, l'étape intermédiaire généralement c'est la, la, Fiorentina. C'est <laughs> l'héritage <laughs> passarella, ça. Mais euh, non, je rigole. Mais bon, si tu prends un club intermédiaire, déjà il faut bien choisir le club intermédiaire. Euh, ça me fait mal de dire club intermédiaire pour la Fiorentina, mais bon c'est voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est le seul club que je supporte en Italie. Mais euh, mais, mais 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 euh, si tu te plantes dans ce, coeur, dans ce club intermédiaire, bah l'Académie nous parle de Leverkusen. Alario, aller vers Coussen. Ouais, Voilà est... quoi. Ouais, complètement. Exequiel Palacios, aller vers J'ai pas l'impression que ça cartonne. Alors qu'Exequiel Palacios, il était monstrueux arrivant. Et il est parti dans un club intermédiaire. Où on s'est dit, tiens, c'est un bon choix. Ouais, tout à fait. C'est ce que tu penses quand tu penses à des Séville, Séville, Lyon, par exemple, même si Lyon a moins tendance à recruter ces derniers Après, temps. Après, ah oui, mais moi tu me dis Séville, oui, Séville, euh, oui. C'est des très, très bons clubs qui sont à un très bon niveau. Même euh, Vicharreal, pour l'instant, c'est très, très solide oh, oui, aussi. Oui. Et même le foot, euh, tu vois, je ne sais pas ce que On a cette Bundesliga qui, bah, tu peux te dire, c'est adapté, ça s'est adapté. Mais euh, je pense que la Liga et la Serie A, c'est quand même euh, préférentiel. Par exemple, euh, tu vois, lautaro Là, on, on a vu, c'est bon qu'il est désormais un petit peu trop grand pour l'Inter. Là, euh, je le vois bien signé dans un club… Euh, Candidat à gagner la Champions. Mais ça fait quelques années qu'il y est, il a prouvé plusieurs fois. Et c'est un bon choix. Alors qu'à Racing, il était déjà très très bon. Oui. C'est un, un des exemples de, de carrière qui a été très très bien joué. Qui va être titulaire en sélection à la Coupe du Monde, sans aucun doute. On a là un joueur qui, qui a très très bien géré son. Mais tu mais ouais. mais Après, euh, voilà, avoir, avoir, après tu sais, ça dépend aussi du joueur, ça dépend du profil. Et ça, y a, après, il y a les paramètres qu'on n'a pas forcément de nous. Euh, qui sont normalement les parce que c'est psychologique voilà et entourage psychologique et entourage euh, comment ouais. se comporte le gamin au quotidien enfin je dis le gamin parce que oui c'est des gamins enfin pour moi c'est des gamins mais euh... mais voilà c'est comment il se comporte au quotidien comment il est entouré comment ça marche quand il est un petit peu dans le moins bien voilà à quel point il peut être solide et équilibré et ça c'est des paramètres, tu vois, c'est pareil. Moi, je vois souvent euh, des scouts sur Twitter. Ouais, on est moi je suis scout, j'ai vu un super joueur. Oui, enfin tu le vois, il est super bon sur le terrain. Mais il te manque tout le reste. <laughs> okay. euh, par exemple, Vicha. <laughs> bah, bah, exactement, regardé. mais exactement, tu vois Sébastien Villa, tu te dis waouh. Voilà. Maintenant, ça tu commences bien. à regarder à côté, tu fais ah ouais, mmh, d'accord. Bah non alors. <laughs> ouais, complètement, c'est donc euh, et, et oui exactement l'académie le côté hors terrain je dirais même plus que crucial il est c'est même limite l'essentiel c'est même limite l'essentiel et ça garantit rien ouais, c'est le, euh, le plus important et je vois l'académie qui dans le chat parle de, 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 de l'ajax ou de brighton moi par exemple tu vois un, gar, un gamin comme enzo martinez enzo fernandez pardon euh, enzo fernandez que l'on annonce en angleterre que ça soit soit united ou je sais pas quoi bon, très franchement euh, voilà les gens savent que je suis supporter de river mais moi, Enzo Fernandez, j'ai envie de le voir partout sauf à United. Donc, oui. autant à l'Ajax, ouais, les deux mains, je... mais à United, jamais. Bah, pas, pas grand monde a envie de voir ses joueurs favoris à United euh, depuis quelques années maintenant. C'est super triste à dire quand on parle Même, même si on te dit qu'il qu y a Eric Hag qui arrive, que machin, euh, voilà, mais. Voilà. Ça fait sept ans qu'il y a quelqu'un qui arrive et que ça. ça doit. C'est la bonne saison. C'est ça. Tu c'est la vieille blague qu'on faisait en Espagne sur, sur l'Atlético euh, à une époque. Hein, c'est euh, À quoi on reconnaît un supporter de l'Atlético C'est qu'il a la pomme des mains lisses. Chaque année, il se frotte les mains en disant Cette année, c'est le titre. Et euh, c'était avant Simeon et ça. Ouais. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, mais oui, oui. Euh, voilà Donc, euh, Moi, quand tu vois, je vois passer des rumeurs euh, Enzo Fernandez ciblé par United. Euh, oui, et en plus, United a les moyens d'aller le, le débaucher à River. Donc euh, voilà, mais euh, bon, on verra, on verra. Euh, mais après, je pense que Roulian, est, euh, on, on verra. Euh. Naïvement, je me dirais que Roulian a quand même... Euh, et puis sa la façon dont il gère sa jeune carrière, quand même, il a pris le temps. Il a vraiment pris le temps. Euh, c'est pas la comète qui a émergé du jour au lendemain. Euh, il y est vraiment allé progressivement. Déjà, il a trouvé sa place sur le terrain. Parce que moi, je me souviens qu'à une époque, il jouait au milieu quand même. Euh, donc tu vois, il a... Il a pris le temps de mûrir et là il est, on sent qu'il est mûr. Donc tu vois, tu n'es pas dans le contexte d'un gamin de 19 ans qui a fait 3 dribbles et qui est vendu 20 millions dans un grand club. Donc tu te dis, peut-être que ça ça garantit rien, mais c'est quand même signe d'un équilibre différent normalement. On verra. C'est reparti hein, entre Estudiantes et Bragantino. Je vous ai mis le chrono. Vous le voyez, il y a déjà un corner pour Estudiantes et le ballon a été euh, dégagé par la, la défense de Bragantino. Bah, la bise à Farias, mais le, tu vois, par exemple, le, 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 petit, le petit Farias, laissez-le laissez grandir. Ah, C'est clair. Moi, j'aurais dit plutôt Pellistri. Le... Oh. Ouais, le, oh, le, de... c'était l'exemple que j'avais en tête. Voilà, pour te dire, c'était Pellistri euh, qui est parti de Peñarol avec euh, à peine 10 matchs dans les pattes euh, pour aller jouer avec la réserve de Manchester oui, United. United. C'est-à-dire, même pas jouer avec euh, le cimetière, <laughs> comme le dit l'Académie dans le chat, mais pour jouer avec la réserve du cimetière. Donc, en euh... refusant Lyon en refusant Lyon en refusant Lyon bon c'est peut-être pas plus mal aussi mais bon <laughs> ouais c'est vrai qu'actuellement c'est pas évident non plus mais oui ça aurait été déjà carrément mieux que jouer avec les U19 de, complètement de de, de de et là il est en Espagne dans un club de bas de tableau il, il joue même pas alors qu'on le voit en sélection il a été monstrueux enfin il était monstrueux il a été excellent après dans ces cas-là j'aurais tendance à dire on, on l'a vu pas mal de fois avec les Brésiliens ça bah, bah, Gerson, par exemple, quand il avait été à Roma Alors... et qu'il qu est, qu est rentré à. Bah, il n'est bah, pas vraiment rentré à Fla parce qu'il est parti de Vasco. Attends, si je ne me trompe pas, c'était Vasco à la base ou Fluminense C'est Fluminense, Gerson, non J'ai un doute. En tout cas, c'est un des rivales de... de Fla et il est revenu au pays et, et ça s'est très bien passé. Je pense que Penistrie, si s'il venait à jouer en Amérique du Sud, que ce soit dans un des. Autant au Brésil, on, on le voit avec Derazkaita par exemple, qui se plaît très très bien Fla, ou aboca au River par exemple, ça, ça pourrait mais, être mais, intéressant. Pour mais lui. après à Contrario, et je pense que c'est là où euh, Derazkaita est un joueur intelligent. Euh, je pense qu'il est clairement pas taillé pour l'Europe. C'était flou. Gerson, hein, je viens de checker, c'était bien Fla. Ouais, D'accord. Mais euh, je... c'est pas un profil que tu trouves beaucoup en Europe, Derazkaita. Oui, c'est. Et pourtant, euh, Dieu sait que il est apprécié par la, ah oui. par la Torcida et qu'il ah il le rend très problème. bien. Mais après, après, tu vois, c'est pareil, c'est comme le reste. C'est-à-dire que je comprends, économiquement parlant, euh, ça sera toujours mieux pour un joueur d'aller jouer en Europe. Mais après, il faut aussi se dire que ces footballs-là sont différents. Et il y a des joueurs qui sont taillés pour un, championnat, pour un continent et d'autres non. Euh, on ne peut pas tous jouer sur les deux continents. Et ça marche dans les deux sens. Hein. Euh, parce qu'on euh, a vu quelques joueurs. Euh, ne pas forcément bien fonctionner en âme sud et faire de très très belles carrières européennes et inversement. Donc euh, bon. Euh, voilà. Je pense que Darascaïta, c'est difficile de le, de le voir dans un club en Europe. Je me trompe peut-être, Peut-être hein, mais... plus un... peut en Espagne. Ouh, l'erreur. Ouais. Ah, t'es peut-être en avance sur moi là. Ah, je suis à 49,11. Ouais, t'as 7 secondes d'avance et là voilà, je la vois je... l'erreur. Ah oui! <laughs> Ah oui, il est allé percuter, euh, percuter Clayton. Normalement, on devrait être synchronisé cette fois. Alors, Renan et Clayton se sont bien rentrés dedans. Ah, c'est ça, l'Académie. Mais c'est exactement ça, Pierre. Colo euh, et Delors se sont, ont flopé au Mexique. Et Tovin a eu besoin d'une adaptation. D'ailleurs, vous pouvez très bien. Vous pouvez Comment euh... ça va, Tovin, en ce moment Ça va très bien. Je, je l'ai vu faire une petite déclaration qui a, qu a pas mal fait parler en Argentine. Pour ceux qui ne savent pas, entre Argentin et Mexicain, quand ça parle de foot, euh, c'est un petit peu tendu. Et euh, Tovin a dit que euh, Tigres était désormais un, un très très grand club, au même titre que Boca ou River. Donc ça a un petit peu fait parler euh, ici. Ah oui. Non, non, mais voilà, ça se passe bien pour Tovin, mais c'est pareil, il y a eu le temps d'adaptation. Après il n'a pas, euh, pas été vernis parce qu'il y a eu quelques blessures qui ont retardé sa prépa. Euh, sur sa première saison. Je vous conseille vraiment le reportage. Si vous avez Canal, euh, matez le reportage. Je sais plus comment ils ont appelé ça. Euh, ils ont donné un titre espagnol à la con. Mais euh, le reportage sur est vachement bien. Sur Tovin, oui. Je n'ai pas Tigresse. entendu parler. Je vais le chercher. Je, okay, ils ont donné, je suis en train de chercher. Le titre, c'est un, un nom espagnol à la con. Je sais plus ce qu'ils ont mis comme titre. El Expatriado. Ah, voilà, c'est ça. Euh, franchement, c'est très bien. Le, le reportage est très bien et. Voilà, on comprend aussi pourquoi le la première, la première, premier tournoi de Tauvin a été un peu plus compliqué que prévu. Donc euh, voilà. Mais, mais typiquement, voilà, il y a une adaptation à faire. Oui, attention à ce ballon qui a failli passer. Euh, ouais, on, je vantais la fluidité du jeu de, de Bragantino euh, là. On a eu une passe en retrait un peu foireuse. <laughs> Et c'est Estudiantes qui, euh, qui récupère très haut les ballons. Qui est plus agressif aussi hein, sur le porteur va ah, bien jouer ça ce ballon euh, entre les lignes, elle va aller bah, un peu derrière, il va pas pouvoir centrer. Mais on parvient à trouver euh, dans l'intervalle, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué et ça va sortir en sortie de but. À Quintero à Rennes. Aïe aïe aïe. Juan Fernando Quintero. Bah Rennes, il est plus connu pour les pizzas que pour euh, ce qu'il a fait sur le terrain. Hein. Donc... <laughs> Par contre du côté de River, c'est bien différent. Ah ça. Et puis c'est un joueur qui est quand même très intelligent parce que tu vois, par exemple, euh, il, il provoque pas Boca. À chaque fois qu'il parle de Boca ou des joueurs de Boca, c'est toujours avec respect. Tout, très très bonne déclaration. Enfin, Mais de manière générale, ça s'est quand même bien calmé au niveau des joueurs, ça. Hein. Ouais, 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 on a toujours. Euh, bah, maintenant qu'on n'a plus Pablo Pérez ni Orion, c'est un voilà. peu plus simple de l'autre côté. <laughs> Putain, Orion, quel cancer celui-là. <laughs> Pablo Pérez a retrouvé ouais. son œil ou pas <laughs> Ouais, j'ai l'impression il est rentré contre Rasting l'autre jour et bon. non non Moi, mais, oui, intéressant mais, intéressant. mais tu vois sur les sur les nouvelles générations il y' a pas de il y a pas de provoque euh, gratuite ou de choses comme ça euh, franchement j'ai l'impression que ça change pas mal quand même de ce côté là ouais, ouais tout à fait il y a quand On même, a même toujours est... le côté il euh, y a toujours un petit peu euh, le côté euh... ouais mais Marcos Rojo, c'est un vieux euh, l'Académie donc on n'est pas dans ces nouvelles générations, tu vois, c'est pareil. Euh, et même, même il est plutôt tout jeune, mais euh, prends les, nou les nouvelles générations, euh, même à l'époque là, les, le, le super classico récent, franchement, il n'était pas, pas, hyper tendu le match hein. euh, Non, non, clairement pas. Et, et quand et tu bon, vois après... les, les nouveaux qui arrivent, là, on parlait de Julian et de Enzo Fernandez côté River, tu les entends pas faire des déclats pour aller chercher du buzz contre Boca, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et même nous de notre côté, Exactement. si tu regardes, as les Varela. Les euh, Vasquez, tout ça, non. Alors que tu vois, tu as, as quelques gamins à Boca qui sont. Enfin euh, bon, ils ont Boca euh, <laughs> plus que dans, dans, dans le cœur. Hein. Ils sont. Ouais, ouais, complètement. Ils sont, ils sont euh, Bocaense à fond, à fond, à fond, mais ils ne vont pas commencer à aller chercher. Euh, ça se calme un peu, ce n'est pas plus mal. Hein. C'est euh... clair, ça ne sert à rien, c'est inutile. Et à là, part. Il Almendra reviendra-t-il un jour euh... Ouh Voilà le but. Le voilà le but d'Estudiantes. Alors est-ce que c'est Del prêté au deuxième poteau ou est-ce qu'elle est retouchée ensuite derrière par Rogel, me semble-t-il Ou peut-être Diaz Non, c'était Rogel qui était dans le coup. Euh, pour moi, ça, est vu comme Roche, il célèbre, est à mon plaisir. avis, c'est lui. Ouais. Vu comme il célèbre. Ouais, c'est ça. <laughs> Sur corner. Hein. Ouais, Pas ouais, certaine... ouais. Ouh. Et impressionnant le marquage que les deux se retrouvent euh, oh là là plus là ou là. moins seuls comme et ça. J'ai envie de te dire les deux, euh, le corner au deuxième poteau, remise de la tête de Del Preté, Rogel seul sur la ligne et derrière lui il a trois coéquipiers. Hein. <laughs> ils sont quatre, Assez. ils sont quatre à pouvoir mettre le ballon au fond. Il y a que Renan qui est devant eux. Euh, voilà quoi. <laughs> C'est un marquage très particulier on va dire. Et bon. Euh... On va dire que Red Bull n'est pas très intelligent sur le coup, parce qu'ils ont, euh, ont déjà évité deux buts quasiment tout faits, même si on, on rappelle qu'il y en a un qui est plus dur à mettre que l'autre. Euh, là, ça pardonne pas pour le coup. Et c'est bien Agustin Roger hein, qui a marqué ce but-là. Ça fera plaisir aux Toulousains. Du coup, je réponds à l'académie qui, <laughs> j'étais en train de dire son message, donc j'ai raté le but, <laughs> euh, qui demandait pour le cas Almendra, tant que c'est Bataglia... Aux commandes de l'équipe, il ne reviendra pas. Sauf que, comme je le disais il y a peu, je ne sais pas si tu étais déjà là, euh, c'est fort probable que Bataglia ne passe pas juin, voire ne passe pas ce soir en fonction du résultat. Donc, j'aurais tendance à mettre une petite pièce sur le fait qu'il va revenir, parce que le Consejo del Football de l'aime bien. Elle mènera, euh, vaut de l'argent, elle mènera, n'est pas mauvais sur le terrain, elle mènerait juste idiot. Ce qui est une constante chez nos joueurs. <laughs> Mais euh, bon, s'il revient et euh, qu'il joue correctement et qu'on peut le vendre, c'est un peu comme Vicha, j'aurais tendance à dire, euh, allons-y. Mais pour rester, non, je ne pense pas. Mais à mon avis, il va revenir. Parce que son, son destin, pour l'instant, il est déjà revenu en réserve alors qu'il n'aurait pas trop dû. Et là, on, on sent bien que dès que Bataglia va s'en aller, euh, t'inquiète pas qu'ils vont le faire remonter en, en première. Alors pendant ce temps-là... Del Prete va finir le match avec un superbe bandeau sur la tête. Un bandeau ouais. plus scotch, assez, assez exceptionnel. Euh, avec et... les couleurs. Ouais, exact. Ah bah ouais. Euh... <laughs> oh la vache, juste un morceau de cheveux qui dépasse. C'est <laughs> magnifique. Euh, 1-0 donc pour Estudiantes. Libertad a ouvert le score aussi contre l'Atlético Paranaense. But de Christian Riveros. 1-0 pour les Paraguayens. Euh, bah voilà, c'est reparti assez vite sur cette deuxième période puisqu'on est à, à 10 minutes de jeu déjà en deuxième, enfin déjà, remarque hein, déjà 10 minutes de jeu en deuxième période. Euh, un but à zéro donc ici pour Estudiantes. On va voir comment ça va réagir du côté de, de Red Bull Bragantino qui a eu le ballon mais qui n'a pas su en faire grand chose hein, quand même hein, jusqu'ici. Non, une grosse occasion en fin de première mi-temps. Et puis c'est tout. Et pour le reste, ouais c'est fait. Et derrière. Et du ça... côté. Attention parce que derrière, ça va partir très fort. Hein. En contre, en voilà un contre justement. Et ce ballon en retrait, il n'y a personne à l'entrée de la surface. Ouh, le découpage, c'était Pellegrini me semble-t-il pour le découpage. Là, on se retrouve dans une situation qui doit particulièrement plaire à Zielinski. Clairement. C'est un petit peu comme ça que Boca, le seul club qui a réussi à les battre depuis le début de l'année, or… Hors match de préparation. Euh, nous, on avait marqué le premier but euh, un petit peu à cette période et ensuite, euh, ils avaient essayé de revenir, mais ils n'étaient pas revenus. Mais dans cette situation, quand Estudiantes mène 1-0, ouais. on a plus de chances de voir le 2-0 que le 1-1. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, bah, d'ailleurs, on le voit, il y a des récupérations, il y a des projections rapides tout de suite. Ah, ce ballon qui a été mis en retrait et qui a pris Pellegrini à contre-pied. Et on va revenir. Euh, Et du côté de la... Quoi, Je Manuel Castro, euh, Pellegrini il est sorti, c'est <laughs> Giancarlo qui l'a remplacé. Ouh là, là. J'allais dire du côté de la, la Sud-Americana, on a Seara qui a ouvert le score du côté de Général Cavachero. Independiente qui fait toujours match nul. Si on en restait là, ce serait très très compliqué pour Independiente de sortir de son groupe. Bah, concrètement, ça en serait fini de la Sud-Américaine. Ouais, c'est ça, complètement. Il ferait tourner sur Alors, la Copa. Qu ce qui, ce, qui, ce qui donne, ouais, c'est ça. À ah, tourner, pas forcément, puisqu'ils vont pas se qualifier en la Copa. Là, c est, c est ouais, ouais, mais ça il... va être des matchs de prépa, quoi. Voilà, ouais, exactement. Surtout que je sais pas trop comment ça va se passer. La Libertadores, ça attend moins euh, mois d'un doute Les huitièmes, ça se joue en juillet ou en juin Début juillet, il me semble. Euh... J'ai un doute sur crois. le calendrier. Ouais, ouais pour moi c'est début juillet et avec euh, l'autre en, en août et ensuite septembre-octobre. C'est ça. Ouh. Oh attention à ce ballon de l'autre en Corse. Il la touche, oui, il y arrive. Le lobe oh là 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 là. Wouh eh bah ben, devinez qui nous claque en lobe magnifique. Mauro Bosselli. Bien évidemment, bah on le disait à l'instant. Hein. On le disait à l'instant. Situation idéale pour Estudiantes. Pour piquer en contre. Et ben voilà, ça s'est joué en deux touches. Il est magnifique ce but. Franchement, il est magnifique ce but. Voilà. Exactement. Deux beaux Ça fait 2-0. Ah, une fois qu'ils vous ont euh, attrapé dans leur griffe, c'est Pincha. Et bien derrière, <laughs> c'est compliqué. C'est plus que compliqué. Ça fait donc 2-0 pour Estudiantes. Et euh, voilà, hein, très, très, dans un jeu très vertical. Un relais, un joueur qui pique et qui l'a en une touche. Bosselli n'est pas hors jeu. Et Bosselli qui nous fait un petit lobe de 20 mètres pour lober Clayton. Incroyable. Ouais, magnifique. Franchement, magnifique. C'est Castro hein, qui lui donne ce ballon, qui le touche juste avant. Et Bosselli, intérieur du droit, petit lobe, magnifique. Franchement, il est superbe ce but. Il ne sera pas dans les au so hello, parce que sinon, ils vont nous bloquer la vidéo sur YouTube. Mais. Euh... <laughs> Mais il aurait pu y être, voilà. <laughs> Sachez que double il change. aurait pu y être. <laughs> On a Barbieri qui réagit immédiatement en faisant un double changement. Ouais, Jadson qui, uh, qui sort. Et. J'annonce pour le deuxième. Soriso. Soriso. Très beau, très beau nom. Je ne sais pas si c'est un surnom ou si c'est son vrai nom. Qui veut dire sourire en français. Un petit peu comme euh, ça avait été drôle, Pikachu euh, qui a joué contre River il n'y a pas longtemps. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de River, il y a quelque chose qui m'a surpris il y a peu. Que, je ne sais pas si tu as vu, euh, il y a un ninja qui avait jeté des bananes aux supporters des, de Fortaleza. Ouais. Et River a mis seulement six mois de suspension à ce, à ce joueur. Je, je t'avoue que ça m'avait surpris. Je m'attendais à ce que River euh, frappe fort pour le ouais. coup, parce qu'en tant qu'institution. Euh, il bon, n'y a, a pas grand-chose à dire. Normalement, River fait le travail, mais euh, six mois, ça m'a paru très, très peu, surtout que, surtout que six mois, c'est habituellement ce que tu prends si tu vas au stade euh, sans, sans billet, tu vois, par exemple. Ce, mm. ce genre de cas, tu vas prendre six mois de suspension. Ouais, non, c'est... Ouais. Tu... ouais, ça m'a un peu surpris, mais... Euh, après, euh, bon, pour, au moins, la Conmebol n'a pas suspendu euh, le club en, en soi. Ça, c'est bien, parce fermer des tribunes ou quoi pour... Euh, à cause d'un de, ou deux idiots, c'est toujours ridicule. En France, on a bien ce cas-là avec la les préfets, par exemple. Ah bah eux, ils ferment même pas les tribunes. Ils, ouais. ils, ils Avant même, euh, éventuellement... Enfin, tu sais, c'est euh, Minority Report. Hein, c euh... <laughs> ouais. Ils euh, anticipent non, non, c des potentiels problèmes qui... Euh... Bon... <laughs> Attends, il y a peu, c'était quoi C'était le cas avec les supporters du PAOK qui étaient venus à Marseille, du coup, mais comme il les avait euh, ils les avaient interdits, ils n'arrivaient pas à les reconnaître parce qu'ils n'avaient pas le maillot ou quelque chose comme ça Ouais, c'est ça. Alors, en fait, le problème, c'est qu'à force, force de tous ces arrêtés préfectoraux qui empêchent tout déplacement et tout, bah, on ne sait pas les gérer, les déplacements, concrètement. Donc, euh, dès que tu te retrouves, parce que très franchement, euh, les ultras français, ils sont cool. Hein. Donc euh, oui, c'est pas non plus euh, voilà quoi, hein, c'est pas, des, pas pour pas... la même raison qu'en Argentine qu'on a ce déplacements C'est pas des brutes épaisses non plus donc euh, voilà, donc quand tu te retrouves à gérer, euh, à gérer de vrais cas problématiques, tu bah, tu peux pas, tu sais pas les gérer. Donc c'est magique. Naïtalo l'avant-centre. Le... Ah bon. Il vient de prendre un jaune pour euh, un jaune ouais. Une bonne grosse boîte. Ça va être compliqué pour, ouais, pour Bragantino de revenir dans ce match. Hein. Ça va être très très compliqué de revenir dans ce match. Surtout s'il si s'énerve un petit peu. C'est ça. Bah tu sens que c'est un... en train de leur échapper hein, quand même cette histoire. Ils arrivent fiancé, ils... ils arrivent pas à poser le ballon. Il y a un pressing incessant d'Estudiantes Des qui ne les laisse pas respirer. Ouais, on est clairement plus dans une dynamique de 3-0 à venir que de 2 1. Ouais. Mais en soi, en termes de résultats, ils sont. Enfin, c'est pas non plus la catastrophe pour le moment pour Bragantino. Et attention à la différence de but qui, qui peut toujours jouer. Pour euh, l'instant, ça, si là... ça change rien à leur position puisque Vélez et National sont toujours en, à un but partout. Et donc, pour l'instant, Vélez et National restent deux points derrière. Euh, voilà. Ça veut dire que pour l'instant, la très 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 belle affaire elle est pour Estudiantes euh, qui s'échappe. Ouais. Dans cette, dans cette Libertadores, qui à l'heure qu'il est prend 5 points d'avance sur le troisième, euh, ça commence à être un, un bel écart, euh, surtout qu'on arrive à mi-parcours. Hein. Cette semaine, on est à mi-cours de, de la ouais, phase de groupe. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, la belle affaire pour l'instant, elle est pour Estudiantes, qui en Et plus va être monde. dans une position idéale quand ils vont devoir aller jouer le match retour contre Bragantino, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mm -hmm. attendre. <laughs> Euh, même non, si tu vois, ce sera une volonté un parce qu'ils n'ont pas franchement attendu. Hein. Ils sont allés les ah chercher. Ah non non non, hein. ça, ça joue bien. Hein. Ça, ça joue bien. Le match est très très agréable à voir. Ouais. Ouais ouais. Exactement. Et on va voir justement si euh, si on arrive à réagir hein, du côté euh, de Bragantino, de la Massa Bruta. Et ouais. attention à pas prendre le troisième. Si ouais, on ce qu'on disait dans un groupe aussi serré, le goal average à la fin, ça peut compter même si Vélez a pris une branlée contre Estudiantes. 4-1 de mémoire, donc on avait moins 3 au, au tableau d'affichage, enfin au tableau d'affichage en average. Attention à, attention à Red Bull dans cette situation. Ouais, euh, garder un peu d'avance quand même sur Vélez. <laughs> ouais, c'est ça. Ouais, ça peut toujours, euh, tu sais jamais. Bah, c'est surtout qu'en plus, il reste, il reste quand même 25 minutes à jouer. 2-0, hein. 25 minutes, tu vois le ballon qui est de plus en plus récupéré euh, vite par les joueurs d'Estudiantes avec des espaces qui commencent à s'offrir de temps en temps il y a quand même quelques actions qui sont coupées euh, juste, juste à l'arrache hein. ouais voilà c'est ça hein. donc euh, donc voilà hein, attention hein. le ballon pour l'instant il est vraiment sur cette deuxième période il est vraiment confisqué par 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 Estudiantes alors que ouais, concrètement, Red Bull n'arrive euh... pas à passer le tiers de terrain de... Enfin, ne s'approche plus du tout des buts des Studentes. C'est récupéré à chaque fois avant. Et, Et un, quand c'est récupéré, euh, ça peut faire mal. 2-1 pour Tachira euh, à sucrer face à Independiente Petrolero. Oh, très, très, fort. Ça. Ouais. très très fort ce que fait Tachira. Euh, franchement, parce que... On s'y attendait pas, c'est clair. Ah bah il faut y aller là-bas, à hein. 4000 mètres quand même. Hein. Même si Soucré est un peu moins haut que La Passe et tout ça. Et aussi par exemple. Soucré, t'es à 2000 et quelques de mémoire. Ça reste. T'es pas plus haut que ça Soucré, assez bas. Assez bas, je me comprends. Ouais, ouais, ouais. Mais Altura Soucré, attends, je te confirme ça. 2800, t'as raison. C'est 1000 mètres. Ouais, t'es un petit peu plus bas. C'est 3006 La Passe. De mémoire, t'es à 2008. Ouais, quand même. Faut y aller à 2008. Ouais, c'est clair. Coach pareil avec euh, Wilstermann. Ça va te rappeler des souvenirs avec le 8-0, 8-1. Oh, ouais 8-0. au retour. Ouais. Après le 3-0 de l'aller. Ouais, c'est clair. Je me souviens l'avoir commenté ce match sur, ma, sur RMC. C'était peut-être ma ah, chaîne sport encore être. à ce moment-là, d'ailleurs. Non, c'était ma chaîne sport à ce moment-là. J'étais au commentaire. Il était dingue ce match. On avait des joueurs, clairement, qui étaient rentrés euh, terrorisés. Ah ouais 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 au clairement. Monumental. Et c'était une folie avec le festival de Nachos Coco Quel match. Et Ligno qui va prendre un jaune. C'est tendu hein, du côté ouais, de, de, de du Bragantino. 67, hein, du côté de Bragantino. attention ne bah, pas le regretter. Faire de Boca. Ouais. Ouais, ouais j'ai vu ouais. Euh, que si si les Chamarromans il vient mais non merci. On a déjà assez suffisamment de joueurs idiots. N'en rajoutons pas. Et au poste d'avant-centre, on est très très bien couvert avec Pipa qui est revenu et Vasquez qui est très bon, qui va être titulaire ce soir d'ailleurs parce que euh, Benedetto est juste 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 et euh, Bataglia ne veut pas reproduire l'erreur qu'il avait fait au Super Classico contre River, à savoir que Pipa avait joué bah, de retour de blessure sur une jambe à moitié et n'avait pas été bon clairement sur la première mi-temps, alors que Vasquez avait fait une excellente entrée, donc euh, de ce côté-là, je suis plutôt satisfait. Même si bah, l'autre télé, on en parlait du côté de Fla aussi. Oh, il y a, il y a ça quelques années. Il y a ouais. papé, euh... Attends, c'était Flamengo Il n'y est... il avait pas eu euh, Botafogo Ah, c'est vrai que Botafogo aime bien les anciens. Non, mais c'est surtout qu'il qu y, que... deux... y a eu deux joueurs qui ont été annoncés à Botafogo euh, les... il y a un an ou deux. Ah, c'était qui oh, Je ne sais plus, tiens, faudrait que je, faudrait que je regarde. Tu vois, si je check, tu tapes, tu tapes Balotelli Flamengo. Je vois quoi Balotelli, Piden, Balotelli demande une, une clause insolite à Flamengo. La curieuse offre de Flamengo pour Balotelli. Ça, 2019, tu vois, août 2019. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y avait Botafogo dans l'histoire. Il y avait un autre joueur aussi. Euh, il y avait un autre joueur. Et euh, je sais plus qui c'est, d'ailleurs. Il y avait eu deux joueurs, deux, deux, deux stars comme ça internationales euh, qui avaient été annoncées du côté de, de Botafogo. Et euh, ah, je ne sais plus qui c'est. On avait Honda qui était venu à Botafogo. Aussi. Ouais, ouais un carnage. <laughs> un carnage. C'était la gestion euh, magnifique de Botafogo. Mais bon. Bref. C'était euh, ça. Ouais. En tout cas, c'est en train de pour revenir au match, là, c'est vraiment en train de se durcir hein, du côté de. <laughs> du Et côté étonnamment, de... c'est. C'est pas franchement l'équipe euh, qu'on attendait. Non, euh, non. Le, le... Il sort qu j'ai l'impression. C'est. Ah, c'est Ramon. Que, euh, on a un joueur aussi, enfin, Boca, un joueur prêté qu'on a acheté 8 millions d'euros euh, qui s'appelle Han Hurtado, qui est euh, contrairement une des. Pire recrue de l'histoire de Boca, qui a été payé euh, plus cher que, que Rick quand il est revenu de Vichard. Alors que très franchement, c'était un super joueur chez les Gosses. Arim Nansia, Arim ouais, par exemple, et en sélection, il était incroyable. Yann Ortado, il était incroyable. Mais bon, avant Centra Boca. Euh... Ouais, surtout dans une période où on était euh, fallait remplacer. Euh, fallait remplacer Pipa. Qui, pareil, tu vois, tu parlais de Gerson et des supporters de l'OM. On peut dire la même chose de, de Pipa hein, au final. Ouais, que c'est pas parce que surtout Pipa qui a un profil très particulier. Est-ce qu'il était déjà parti du Mexique un petit peu pareil en fait? Quand euh, la enfin, en fait, sera, au Mexique, il jouait supporters. pas à son poste aussi en plus à il jouait Inti couloir gauche. Euh... <laughs> voilà quoi, <laughs> c'est pas vraiment le profil, quoi. <laughs> mais il avait fait, il avait, il avait fait, il avait pas été si mal que ça à l'América, hein. très franchement. Hein. Moi, je l'aimais déjà, je l'aimais beaucoup à l'Américain. Hein, donc, euh, donc, il avait fait ce qu'il fallait. Hein, mais euh, bon. Mais au final, c'est le seul avant-centre qui fonctionne après Palermo. De, ah complètement, et qui fonctionne très très bien. Il y a une malédiction totale à Boca sur les avant-centres, quel que soit l'avant-centre. Et Yanourtado euh, fait partie de ceux qui vont en mourir. Euh, alors qu'il est tout jeune, hein, mais bon, il a dû, il s'en est pas remis hein, euh, très clairement. Euh, bah, tu euh, vois, par exemple. On, Gigliotti, qui a marqué le but, euh, ouais. le but de national, a dû partir s'exiler en Chine après ouais. avoir raté un penalty contre River en sud en ça. demi finale de Sudamericana en 2014. On en voilà. est là. C'est-à-dire Et... que tu dois t'en aller du pays. Et il a, il, a il a repris un peu vie quand il est revenu du côté d'Ineben Et euh... Mais ouais, c'est ça. Et oui, puis, puis c'était bien plus tard. Hein. Ah oui, oui oui, oui. Tard, facile. oui, oui. Ah, mais il a eu une longue traversée du désert, Gigliotti, derrière. Il a marqué hein, ce soir. Ouais, ouais, tout à fait. tu ouais, t'as des joueurs comme ça, tu vois. Je savais même pas qu'il avait signé un national. Je n'avais pas vu passer ça du tout. Mais non, non, mais c'est ça. Hein. Boca, Boca, franchement, pour les avant-centres, c'est un cimetière. Donc, il euh, n'y a que Benedetto qui s'en sort. Ce qui prouve quand même que c'est un garçon particulier, le bonhomme. Hein, parce que. Enfin, on, dit, on dit toujours, quand tu es avant-centre et que tu réussis à l'OM, c'est que es quand même un sacré avant-centre. Bah, on peut dire la même chose à Boca. Hein. Parce qu'à ah, ils en en oui. mangé du neuf. Hein. Excellent ça. Ouais, alors attention, parce que là, je la, je la vois maintenant l'action avec ce centre en retrait. Ouh, Italo, ça revient. Deuxième possibilité, le centre à venir derrière et ça va être dégagé. Ou pas. Quand je me resynchronise. Et coup. ça part dans les nuages. Attends, toi, t'es à 1h12. Ça nous donne combien ça en seconde de temps euh, ça ouais, ça, Je suis un tout petit peu en retard sur mon chrono par rapport à ce qui est affiché maintenant sur mon écran. Mon, mon T'as combien sur le. Je suis à 25. Ah ok, je suis à 30 Il y a 5 secondes d'écart entre ce qui est affiché sur mon écran et ce que je vois à l'image. Ok, d'accord, c'est pour ça. C'est bon, normalement on devrait être synchronisé. Et ça va donner un... Il y a eu, Il y a eu une faute qui a été sifflée là, c'est ça J'ai pas bien vu euh, J'étais en train de regarder le chrono pour tout ouais. En tout cas, c'est dégagé hein, du côté d'Androhar qui, qui allonge, pardon. Et la récupération, encore des Pinchas. Et le ballon qui va revenir jusqu'à Clayton. Donc Allez, on a National que... ouais, qui n'arrive pas à prendre... Je disais, on a un National qui n'arrive pas à prendre davantage à Liniers. C'est fou, hein il y a des d'ouvrir des de je... le score à la Guira. Ah Mais Seara, entre-temps, vient de marquer le 2-0. Exactement. Donc, en on... statu, statu quo dans le groupe G. Ouais. 6 points, 9 points. À... Sachant qu'il y a le retour euh, qui va jouer... Euh, enfin, S'il reste avec à distance, Canada. ça va. S'il ouais, ouais, il reste à portée de tir, ça peut le faire. Même si le goal average des Serra est pas mal du tout. Pour l'instant, Tu es à 6-1 et 4-2 pour Independiente. Donc, euh... Très solide, hein, CRA. Ouais, ouais c'est clair. Euh, D'ailleurs, tu as deux, même Fortaleza, en soi, les, mm. les clubs de l'état de Serrara. Moi, je me souviens, j'ai regardé, alors contre River, je n'ai pas vu le match, mais euh, le premier match contre Colo Colo, euh, l'arène, du... le, le stade de Fortaleza, en feu, en fusion totale, ouais. et euh, Colo Colo s'en sort très très bien sur la deuxième mi-temps. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais voilà, deux, deux jolies équipes. Franchement, c'est deux jolies équipes. Ce c'est pas, voilà, pas les équipes les plus sexy, entre guillemets. Euh... De par leur nom, mais très franchement, voilà. C'est pour ouais, ça for... aussi que c'est très compliqué de les enchaîner, les Brésiliens, quand vous les croisez en Libertadores, parce qu'il n'y a pas de Brésiliens facile, en fait. Donc. Euh... Il ouais, y a continue. une gros, grosse faute. là. Hein. Ouais, <laughs> quand... une très grosse faute. Ça continue. On rappelle qu'il n'y a pas de VAR. Il euh... n'y a pas de VAR en face de groupe de Libertadores. Pas pour le moment. Et euh, pour l'instant, on a eu un beau scandale sur euh, le Classico Minero pas le vrai, pour moi le vrai c'est Crosero contre euh, contre euh, contre l'Atletico ah, mais là on a du coup l'América qui, qui prend la place euh, un petit peu de Crosero que ce soit en Serie A ou, ou ouais. vraiment en Libertadores et euh, sur un but très très litigieux euh, égalisateur du, du galop alors qu'on s'attendait pas on s'attendait pas à ça parce que l'Atletico Minero est très clairement un des grands favoris pour la, pour la victoire oui, clairement. finale clairement et à l'habitude, normalement, de pas de marcher sur l'Américain, mais, mais de les battre. Bah, oui. L'Américain, c'est quand même le petit... Euh... Enfin, je sais qu'à l'époque où Simon était, en, était, chez, était encore à Hello, euh, je l'embrasse d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il m'écoute à cette heure-là, mais bon, ce n'est pas grave, je fais mon Michel Drucker. Il ne fait pas l'âge, mais pas loin. Euh... Euh, C'était le, 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 le lapin, le lapinou préféré de, de Simon, euh, l'Américain. Euh, euh, voilà, petite... Euh c'est pas c'est pas, je... pas le grand le grand le grand club le grand club de, de oui de l'État de, 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 l l de ouais, ça. complètement et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'on a salaté et que les auditeurs doivent connaître qui est un sacré cas aussi qui est qui s'était relancé si on peut dire comme ça là bas et il n'avait pas du tout joué au final <rire> <rire> et on en parlait pour revenir à Boca c'est comme là euh, centurion ah le là fameux... là, Centurion. <laughs> aïe aïe aïe. Putain, qui ne s'entraîne plus avec San Lorenzo. C'est vrai Norigo, que vous en, une avez... catastrophe. Vous, en, vous en Vous en passez des cas quand même. Hein. Ah non, non, non <laughs> c'est une catastrophe. Oh la vache. C'est une catastrophe. Pareil, hein, mais euh... pareil, tu vois, Ricky Centurion, c'est un joueur exceptionnel quand il a la tête qui connecte bien comme il faut. Quand, quand ah le bah... cerveau connecte, c'est un joueur magnifique. Hein. Il y a quelques super classicos, je me souviens. Où... Le 4-2, par exemple. Où il avait ouais, euh, excellent, excellent team. même à, à Racing, il, oui. est, il nous a fait des, des, des belles choses. Mais ouais. le problème, c'est que c'est irrégulier. Et que... Mais c'est ça. Et les fils, par oh, moment ce, se déconnectent. Mais c'est un, un joueur magnifique. Hein. Ouais, t'as des joueur comme ça, un peu du donc okay. On a Bébé Bebe, Lo aussi, qui n'a qui pas trop réussi à boca non plus, qui se débrouille pas mal en MLS. Ouais, qui est plutôt pas passé de temps en temps. des ouais des beaux petits buts, des belles petites actions. Il a Minnesota là, hein, c'est ça hein, lui Ouais, ouais c'est ça exactement. Et et on rappelle qu'il est... a une balle dans la jambe ce type. Ah c'est vrai. Ouais, t'as des cas comme ça en Argentine ou. Où... Ah non, mais il marche bien, il marche bien MLS, hein, franchement. Euh... Bah, tu as des joueurs comme ça qui. qui... Bah, je ne dirais pas que l'Odero a, a mal fonctionné à Boca parce qu'au final, bon, c'était satisfaisant sans beaucoup de plus. Mais pareil, ensuite, euh, en MLS, Seattle. Ah bah là, ouais. Seattle, il Voilà. Seattle, il est, est intouchable. Intouchable à Seattle, Nicol l'Odero. Ouais, mais c'était. Oh, la belle la tête là. Ou la tête, ouais. De Andias. Mais euh, ouais, ouais. Bah, Nicol c'était quand même pas mal à Boca. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que, c'est quoi Bébélo, il y a peut-être deux, trois matchs où clairement euh, il était bon. Il a été très bon, mais tout le reste, en fait, on était constamment déçus parce que s'il parce qu était irrégulier ou. Et pourtant, Après, je te, Après, je serait... te rassure, hein, euh... Bébélo, il est... il est très, très bien. Franchement, il est bien à Minnesota, mais. Euh... Ouais, il s'il est quand même moins irrégulier qu'il l'était à Boca. Non, non, j'allais je... dire. C'est peut-être plus simple euh... aussi. Euh... Il... Je sais pas si c'est plus... Après, alors après, très honnêtement, indépendamment du côté plus simple ou moins simple, euh, franchement, la, la MLS, euh, pour, les, pour les mecs, pour les meneurs de jeu, c'est un régal. Hein. Des, je, je, je me demande, tu vois, on dit souvent en Argentine, il n'y a plus de 10, machin et tout. Euh, regarde en MLS. Je ne sais pas si tu suis un peu la MLS. Mais euh, Alors, traîne de très très loin, honnêtement. Eh ben, tu vas voir que des mecs comme euh, Zelarayan, Ryan, euh, bon, pour parler d'Argentin, euh, euh, mais euh, je pense à Carles Rill, qui est à, à New England, qui n'est pas argentin, mais c'est un 10, un pur 10. Et franchement, c'est le championnat des pur 10. Euh, toutes les équipes se construisent plus ou moins avec un 10, ou un vrai meneur de jeu. Bébé il a ce rôle-là à Minnesota. Et, euh, et les mecs s'éclatent. C'est pour ça que, tu vois, quand tu vois partir. Euh, quand tu vois partir Thiago Almada. À, à Atlanta, bah, tu te dis c'est peut-être mieux que euh, euh, Elche où il va jouer 6 ou 8. Ouais, tu vois. Euh, je, pour dire les choses clairement, je pense qu'un mec comme Leandro Paredes, euh, aujourd'hui, sortirait de Boca, je pense qu'il ira en MLS. Ah. Il ouais, y a des chances. Il et, et, et il s'éclaterait au poste auquel il a été formé, voilà concrètement. <laughs> Donc euh, il finirait même pas si, euh, euh, milieu défensif, même s'il fait une super carrière, il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui s'est très très bien adapté au, au football moderne, on va dire. Voilà, c'est ça. Même si Paris veut s'en débarrasser, apparemment. Et doubler euh, Gigliotti hein, pour national. Et en parlant de, de MLS, il y a un cas qui est Soteldo qui va revenir. Enfin, euh, on en parlait dans un club. Voilà, est, il est à Tigres, hein. brésilien. Ah, il est à Tigres, exactement. Oh, attention à sorties... ce ballon à profondeur, il est sorti en Dourar. Il, il est à Tigres. Il est arrivé à Tigres et euh, il nous en a fait une magnifique il y a quoi, il y a 10-15 jours C'est de fait... là que je l'ai vu. Mais pourquoi ça ne s'est pas bien passé en MLS tu, tu sais parce, que je... bah, parce Pour que, moi, alors, il allait marcher sur la MLS. Ouais, mais euh, très honnêtement, il est arrivé à Toronto. Euh, alors, je... je... C'est pas un problème de Toronto, le club ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait une grosse équipe. Mais franchement, il est arrivé dans un contexte de merde. Il faut dire les choses. Euh, Toronto, c'est des Canadiens. J'apprends ça à personne. Euh, on était en Covid. Euh, ils ont vécu Ouf. exilés pendant plus de six mois. Ouais, euh, euh, terrible la situation. Loin des familles, ils jouaient en Floride. Euh, moi, je me souviens euh, avoir participé à des podcasts MLS où euh, on avait rencontré euh, un Français qui bosse dans le staff avant que la saison démarre, avant que la saison de Toronto démarre, et tu savais déjà que ça allait être la galère. Les mecs, ils étaient au bout de leur vie. Ils en avaient plein le cul de l'hôtel. Euh, ils n'ont pas eu de préparation dans le sens où, tu vois, ils commençaient la préparation. Et s'il y avait un mec positif, c'était 14 jours de quarantaine pour tout le monde. Oh. Euh, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient au... Franchement, les mecs, mentalement, mentalement, les mecs de Toronto, ils étaient au bout de leur vie. Et donc on savait qu'ils allaient faire une saison de merde. On savait qu'il y aurait rien. Franchement, on savait que Toronto ne ferait rien de la saison, et pas par la faute des joueurs, ou tu vois ce que je veux dire, pas parce que le club est mal géré ou qu'il y a un mauvais ouais. entraîneur ou que machin, juste que la situation psychologique était invivable pour pour les joueurs. Ils sont arrivés en début de MLS, ils en pouvaient déjà plus. Euh, moi, je me souviens avoir discuté. On a, on avait discuté avec je sais plus je sais plus comment il s'appelle. Euh, il s'occupe voilà, il s'occupe. Il est dans le staff de Toronto. C'est un français. Et, euh, ils allaient aborder les matchs de Conca Champions parce qu'ils débutaient par la Conca Champions. Et ils en avaient déjà. Enfin, franchement, il n'avait déjà plus rien à foutre de la Conca Champions. Et euh, ils avaient juste une envie, c'était rentrer chez eux. quoi. Donc tu vois, quand tu démarres la saison dans ces conditions-là, euh, voilà. Donc Je euh, ça ne pouvait pas fonctionner pour Soteldo. Après, Soteldo, euh, c'est un joueur que j'adore, mais euh, il mais n'y a pas plus irrégulier que Soteldo. Oui, et il est parti surtout un peu à l'arrache de 3-4 jours avant le match contre Boca en Libertadores. C'était face de groupe de mémoire et non, il, il s'est en allé. Ouais, et ouais, je réponds juste à l'Académie. Quand je disais plus simple, euh, je ne parle pas forcément du niveau, je parle surtout de l'atmosphère du club. En fait, le problème, ah c'est oui, que, que, que je ne vais pas te l'apprendre, à Boca, euh, tu as la télé tout le temps, tous les jours. C'est infernal. C'est très très dur psychologiquement. Et à ce niveau-là, tu es forcément beaucoup plus tranquille. Surtout que pour le payer, pour le payer, Bébélo, on a envoyé euh, 8, 7 ou 8 jeunes. Et on a payé en plus de ça 3-4 millions. Des de, de pochettino, c'était incroyable cet échange Le transfert Bébélo à Boca, c'était quelque chose. Ouais non non mais bon mais voilà donc euh, et puis et puis franchement euh, très franchement euh, si vous suivez pas la MLS euh, et si vous aimez les 10 franchement mettez-vous à la MLS hein. euh, moi je me franchement je me régale il y a des 10 dans chaque équipe il joue avec des meneurs de jeu dans quasiment, ouais, quasiment chaque équipe euh, avec du vrai numéro 10 c'est à dire il est euh, il a son rôle de meneur de jeu derrière les attaquants euh, euh, et euh, franchement en carrie à, à, à New England c'est un bonheur et euh, Zéla Ryan, il s'éclate à Columbus. Enfin, tu vois, Bebelo, ça fonctionne bien à Minnesota dans ce rôle-là. Euh, voilà. Si vous aimez les 10, il bah, y a encore un territoire où ils existent. Euh, c'est la MLS. <laughs> voilà. C'est pas forcément l'Argentine maintenant, mais c'est la MLS. Attention à cette frappe d'Italo qui va aller le long du poteau. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc euh, et là, maintenant que le Covid est derrière, ça devrait être un petit peu plus. Euh facile à gérer mentalement pour pas mal de joueurs parce que franchement c'était compliqué ouais c'est clair euh, du côté de on a Sierra qui de manière surprenante a pris un rouge deux jaunes en cinq minutes ouais. et donc qui, qui mène 2-0 donc ça devrait pas ça devrait pas poser de problème mais c'est assez curieux de se mettre en difficulté comme ça quand tu mènes 2-0 à l'extérieur et on a eu un bah rouge très... aussi du côté et Pétrolero à cinq minutes de la fin ils sont menés deux hein, chez eux par euh, Tachira. Pendant ce temps-là, Bosselli euh, reçoit son ovation. On est dans la période je... que je déteste maintenant avec les 75 changements, c'est-à-dire que ça te flamme ouais. les fins de match, il va plus rien se passer concrètement. J'étais en train de regarder, attends. Euh, Lucas Ribeiro, il rentre à la 71e, à la 75e, il prend jaune, à la 80e, il est expulsé. Pas mal. Solide. <laughs> Dans une équipe qui gagnait 2-0. Très bien. Il est bien. Il était un peu sanguin, le bonhomme. <laughs> Légèrement. Et de l'autre côté, on a Libertad qui, qui, qui tranquillement euh, continue, euh, continue de mener un 0 contre l'Atlético Paranense. L'Atletico Paranense qui a raté un penalty à la 80e. Alors, j'ai pas vu Pablo. à la place de qui. Est-ce que tu as vu à la place de qui. Euh... Euh... j'arriverais pas à prononcer son nom. Kotiubinski est entré. Euh... Alors, attends. Euh... Tu, 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 tu. Là, euh, Noguera. Noguera. Ça mmh. Bautista Kotiubinski. Pas évident à prononcer, effectivement. Alors, non. Non, non, non. Il y a un corner à suivre. Pour attention à ce ballon. Est-ce que Italo va le prendre Il a été bloqué. C'est un peu n'importe quoi ce qui se passe au niveau cafouillage. L'arbitre est arrivé euh, au sprint. Mais a le rien bon décidé. dégagement. Et il y a eu un dégagement, voilà. Mais <laughs> c'était un peu, Ouh. un peu compliqué. Pareil, le coup qui vient de mettre là. Ouais. Ouais. Et là, là contre-attaque. C'est incroyable. Appareil. Ouais, mais c'est du 3 contre Ils ne sont pas montés en nombre, hein, là, pour le coup. Le centre à suivre, peut-être, et contre corner. corner. pour... C'est sans doute pour moi, il y avait au moins une, une des deux grosses fautes à siffler à la base, mais. Il y a pas mal. Hein. Le geste sur le corner est joli. Hein. Euh, main. Alors, il se jette. Oh <laughs> Ouh <laughs> Ah, c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est exceptionnel, il a, il, a, il, a, il a posé sa tête sur le ballon, il s'est couché, il a couché sa tête sur le ballon, <laughs> mais je pense qu'il a quand même le bras droit qui... Hein qui est potentiellement peu touché, heureusement qu'il n'y a pas le VAR. Surtout voilà, que... incroyable, l'image est incroyable. <laughs> a la Estudiantes, Luan qui sort pour euh, Alterendo. Changement offensif, hein, je pense, là, parce que. Ça sent la 87e avec 2-0. Ouais. peut éventuellement. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse organisation tactique particulière euh, vu le temps qui reste. Non. Corner Plus pour Estudiantes, bon. sorti au premier poteau. Le ballon qui va peut-être revenir dans un deuxième temps. Le crochet, non, on va pas ouvrir sur le côté droit, donc ça s'est refermé et ballon perdu. Peut-être un contre à venir pour euh, le Red Bull Bragantino s'il n'est pas c'était assuré, ça aurait été possible. Et c'est tout de suite une récupération d'Estudiantes et une frappe qui finit chez les voisins. Oui, assez curieux d'ailleurs. On revoit l'action. Ouais, c'est l'action d'avant, ça, avec la frappe d'Italo qui était passée juste à côté. Ouais, à côté bien... droit, ça passe pas loin. Hein. Ouais, bah, mais il avait jugé Andorra, <laughs> là. Il va nous faire genre « Ouais, c'est bon, les gars, je l'avais. <laughs> » Il est à 3 mètres. <laughs> Allez, 80... bientôt 89 minutes de jeu. On arrive à la fin. Estudiantes a géré son match. 2-0. On a eu les 75 sessions de remplacement qui nous ont complètement tué le rythme de la rencontre, comme d'habitude sachant qu'on a changé en plus la moitié des effectifs, donc c'est cool. Ouais. Mais non, c'était juste temporaire, les cinq ah, changements. C'est une, une, hein. une vraie avancée, les cinq changements, c'est une vraie avancée. Franchement, ça, ça te tue les matchs. Tu changes la moitié de ton équipe et derrière, ah bah c'est bizarre, on a du mal un peu dans le rythme. Ah oui, c'est bizarre. Ouais. Surtout que la plupart du temps, ce n'est pas, pas utilisé comme enfin, Dans l'idée, je comprends pour économiser les joueurs tout ça c'est pas mauvais mais c'est clairement pas utilisé correctement non Ou la belle à frappe chaque fois ouh et il s'est fait final, ça passe pas, hein, dans hein. la surface il n'y a pas rien qui a été sifflé ok je pense qu'il va considérer qu'il a touché le ballon ouais ah la célébration ouais Bosséli homme du match ouais pas, pas une surprise Bosséli 75 ans ah ouais, en tout cas, de... Estudiantes qui doit être ravi parce que ces derniers temps, c'était pas... pas vraiment les très bonnes des dernières années d'Estudiantes. Des et là, euh... que ce soit en championnat ou... ou même en ce début de Copa Libertadores, euh... les sports ont de quoi être heureux. Ah ouais, le, le, franchement, le début 2022 d'Estudiantes, des euh, très honnêtement, je sais pas, personne les attendait là. Hein. Non, 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 non. Ce serait mentir, je pense que. Ouais, c'est ça, rousseau silinski ah, ben là, puis en plus, c'est typiquement oh là, 7 minutes. 7 minutes Oh wow, là 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 là, messieurs ah, C'est vrai qu'il y a eu la blessure de Del Prété. Ouais, aussi. C'est vrai, il y a eu la blessure de On commence à être habitué au changement, euh, au match à 100 minutes. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est ouais, vrai, vrai que bon, voilà. bon bah, 7 minutes, on est reparti pour 7 minutes. Franchement, le match, il est plié. Hein. Euh, à est moins d'un cataclysme atomique ou d'un effet LO incroyable, euh, ce match-là, il est plié. Ouais, on voit mal les Studiantes. Même s'ils en prennent, un, je pense pas qu'ils réussiront à prendre le deuxième tout de suite. Ouais, je suis pas sûr qu'ils en prennent deux de dans la foulée. Ouais. Surtout qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Le Red Bull Bragantino a s'approcher des, des buts d'Andujar. Ils y sont un petit peu arrivés là sur une séquence de 5 minutes. Mais franchement, c'est pas. La victoire Attention, des n'est pas volée. Peut-être. Attention, parce qu'il y a eu la volée Ouh. derrière. Ouh. Justement, si c'était je... bien joué. Mais... <laughs> ouais, c'était bien joué. Ça manquait de puissance parce que c'est compliqué le geste qu'il a tenté. Après avoir. Euh... Ouais, franchement, il y a pas mal l'enchaînement. D'aller rendre. Ouais, non, le 9, très près. Il va y avoir une faute sur le côté. De toute façon, les studiantes, ils vont le faire courir le chrono là hein, sur la fin de match. Ouais. C'est un petit peu le problème, c'est que des 7 minutes, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait 8 ou 9 au final. Parce que ouais. On aime bien aussi rajouter du temps additionnel au temps additionnel. Ça fait toujours plaisir quand c'est des matchs comme ça. Ouais. Mais bon. Surtout quand tu as vraiment enfin voilà, quand tu sens vraiment que le match il est joué. Quoi. Ouais, là il y a 2-0, c'est pas comme si. Ouh, la passe. Ouais, non, elle n'est pas arrivée, cette passe en profondeur. Bonne sortie du gardien aussi. Et de l'autre côté, on a du coup National qui fait une bonne affaire aussi. Ouais, National qui se replace, qui revient à hauteur justement de Bragantino. 7-4-4-1 pour l'instant. Voilà. Avec euh, du coup Vélez qui, on en parlait euh, on en parlait en début de live, qui, qui va mal, qui pense à, à Medina pour qui comme… Qui cherche euh, un entraîneur. Ouais, c'est ça tout à fait. Mais pour la Libertadores, là, ça commence à être compliqué. Bah, là, la la va être, prochaine euh, ouais. journée devait être dé décisive. La prochaine journée, ouais. ils vont à Bragantino, je crois. Ah, ça va être compliqué, effectivement. Voilà. <laughs> prochaine journée, Bragantino-Vélez et euh, Estudiantes National. Oui, il faut, faut gagner là-bas. Voilà. Il n'y a, a pas d'autre solution. Il y a moyen que la, la campagne de Libertadores se termine à la prochaine journée pour Vélez et il y a peut-être même moyen, euh, ouais, peut-être pas, on verra, mais euh, possibilité pour que même la possibilité. Ah bah Diaz, ça fait deux fois qu'il nous tente un, <laughs> un enchaînement euh, <laughs> contrôle l'op de 35 mètres. Il est chaud, il a vu Bosséline nous faire ça tout à l'heure, ouais, il ouais. s'est dit Moi aussi je vais m'y mettre. Mais non, monsieur, ça ne marche pas. Euh, ça marche pas comme ça, monsieur. Alors que Libertad s'est hein, imposé un 0 face à l'Atletico Paranaense. C'est en train de se terminer partout là, on est sur du... C'était si en train de regarder. Euh, la Vélez doit encore jouer Tigré. Euh, bon, de toute manière, c'était déjà mort pour la qualification dans le groupe B. Mmh. Mais Tigré et ensuite colonne à colonne. Du coup, euh, la, fin de... la fin du premier, euh, du premier semestre. Même du, du Comment tu dirais ça De la première mo ouais, moitié du de l'année. Non, non, ouais. Ouais. On Va peut parler euh... à la sud-américaine. Hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, Difficile pour euh, al ouais. Alfortine. Et même là, euh, arriver en tant que coach maintenant... Euh, bah oui, ouais. non, parce que là, tu peux préparer la deuxième partie de saison. Oui, c'est vrai. Tu, tu peux préparer, mais si ça se passe mal, imaginons que ça se passe ah, mal. Oui. Parce que tu vas quand même jouer... Euh, Qu'est-ce qui te... Imaginons que tu changes, je sais pas, la prochaine journée ou à la deuxième. Tu vas jouer Red Bull euh, donc au Brésil. Ensuite, tu vas jouer colonne à colonne. Enfin Colonna à Santa Fe, pardon. Tu joues National euh, à Montevideo et tu joues euh, Vélez chez toi. Euh, ah tu oui, joues oui et chez que, toi. Il y a moyen que ça soit très compliqué. Donc là, euh, ouais, t'arrives pas dans les... Oui, oui. Pas les matchs les plus simples. Non. Même si parfois ça veut, ça veut pas dire grand chose. On a ouais. des entraîneurs qui, qui s'adaptent assez vite et qui aiment bien ce genre de rivalité. Mais... Euh... Dans le cas de Vélez, ça semble un peu plus profond. Ouais, je ne sais pas si c'est de l'improvisation, l'Académie, hein, pour Vélez. Hein. Là, c'est vraiment. Euh, voilà, on est arrivé au bout d'un cycle. Hein, euh. Mais euh, franchement, ça fonctionnait bien. Et puis, ils ont perdu. Euh, bon, ils ont perdu Thiago Almada. Ils ont eu quelques gestions difficiles. Ils ont une équipe avec pas mal de jeunes, quand même, aussi, hein, Vélez. Enfin, pas mal de jeunes. Il y a, il y a, des, il y a quelques anciens. Mais oui, si. Il y a... enfin, disons que les gros talents de l'équipe sont assez jeunes, quand même. Donc, euh, je sais pas si c'est vraiment de l'improvisation. Je pense qu'ils auraient dû. Changer... Enfin, c'est toujours facile de dire ça après coup. Mais euh, le cycle était terminé euh, avec euh, Pellegrino. Mais bon, c'est toujours difficile de mettre fin à un cycle qui n'était pas si mauvais que ça. Hein. Franchement, Vélez, c'était une équipe assez, assez agréable à voir. Hein. Donc, euh... ouais, difficile à jouer chez eux en plus. Ouais, ouais, J'ai ouais, même euh... une partie de plaisir de jouer là-bas. Non, c'est ça. donc euh, Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'improvisation. Là, ils se trouve qu'ils voilà, ils ont dégagé. Enfin, ça s'est fini avec Pellegrino. Va falloir trouver un coach. Je pense qu'ils ne vont pas se presser pour le coup. Ils ont le temps. Tu vois, tu parlais là de, 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 de l'enchaînement des matchs qui va arriver. Mais justement, en gros, c'est sur un mois. La saison, oui, puis tu es tranquille. En la fait, entre le de saison, 8... elle est finie pour eux. Donc, euh, ils peuvent terminer avec l'intérim. Tranquille. C'est ça, puis c'est un match par semaine, parce que tu vois, tu vas jouer le 8 à Cologne, tu ne vas pas jouer les quarts de finale, donc c'est terminé. Et ensuite c'est le 18 et le 24, donc ça te ça. laisse 10 jours, et ensuite une semaine. Donc euh, oui, tu es dans un rythme qui est, qui est voilà, assez tranquille. Est donc euh, bon. Bah... C est, c est pas. C'est pas c'est pas aussi alarmant. C'est ça, et puis c'est pas franchement... c'est. Enfin, ce c'est pas un bordel continuel, en fait. C'est pas San Lorenzo, quoi. Ouais, c'est euh... ce que j'allais dire. C'est-à-dire <laughs> parlons de San Lorenzo qui va pas tarder à descendre. Non, mais c'est ça. V Vélez, Vélez, franchement, le cycle Pellegrino, il était vraiment bon. Ah, ok, il y a pas de, il y a pas de, de grand trophée ou de choses comme ça, mais avec le, le, le matériel qu'il avait, avec les, les gamins qu'il avait, franchement, Vélez était une équipe assez, assez enthousiasmante à avoir joué par moment. Sur certaines phases sous Pellegrino, ça marchait bien. Là, on est arrivé au bout. Il y a un nouveau cycle. En fait, ils ont perdu quelques joueurs. Euh, c'est terminé hein. ici avec la victoire d'Estudiantes. Euh, mais mais bon euh, voilà il y il a, y a franchement il y a pas péril dans la demeure pour Vélez. et puis il y a, y, a, y a de quoi y a de quoi construire derrière ils ont le temps de justement là ils ont le temps d'aller de ne pas improviser justement donc euh, je pense que c'est ce qu'ils vont faire ils vont prendre le temps de ne pas improviser et euh, je suis pas franchement inquiet moi pour Vélez. Euh, alors je sais que je vais leur porter l'œil en disant ça mais euh, <laughs> mais, euh, mais bon mais, mais mais voilà non non c'est enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, moi Vélez me non, je suis d'accord avec toi. Si, okay. si vraiment il y a un club qui, qui m'inquiète, on peut dire ça comme ça, c'est San Lorenzo qu'on a évoqué. Euh, bon, cette année, ils ne ils descendront pas parce qu'il y a eu... Tinelli a bien joué sur le coup et a annulé les, les promedios pendant la pandémie, mais ils sont en train de se mettre en sacrée difficulté pour la prochaine saison, à savoir qu'il y aura quatre descensos. Il y a quatre ouais. clubs qui vont descendre. Ouais. Et là, si tu regardes, je suis sur Promedios devant moi. Euh, pour l'année prochaine, euh, San Lorenzo est 22e sur 28 dans les Promedios. À savoir qu'il y en a deux qui vont descendre cette saison. Ouais. Et donc, au final, tu te retrouves. Euh, ah, ils vont pas être bien. En péril, Mais, ouais. s'en dépensée bien, pas loin non plus, hein, je crois. Comme euh, dit la Catalogne. Non, je crois que... sont pas mal. Oui, ça une va. sont 11e. Ouais, ouais. Euh, ah, Central. Ils en Central et Newells. Ah, c'est euh, ouais, eux. Je savais qu'il qu y avait des, des très très chauds euh, qui étaient euh, d'autres euh, clubs assez chauds qui étaient euh, pas très bien. Ouais, mais, sans Lorenzo, coup... mais, mais, mais tu vois, pour le coup, pour le coup San Lorenzo, c'est un bordel perpétuel. Et il euh, y a des problèmes économiques. C'est ça. Euh, de, de, de dirigeants aussi. On, je, je, je serais pas surpris que Tinelli démissionne d'ici à 2-3 bah, ouais, bah, oh, oh, semaines. Mais franchement, au final, ça serait peut-être la meilleure chose qui pourrait leur arriver en fait. Et euh, descendre. Et, non, ce non, non, pas, ouais. dit, ça ah, non. <laughs> ah oui, euh, non, mais ça, ça, ouais. Et même descendre, parce qu'au final, si tu regardes sur les deux dernières saisons, ils n'y arrivent plus, même contre les, les, plus, les plus petits, tu vois. Ouais. Bah après, là, le problème, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais si vous aimez la première division argentine et le bordel, vous allez adorer la seconde <laughs> division. Parce qu'il ouais. y a 40 clubs, c'est n'importe quoi. Même la ne sait pas comment ça fonctionne. Ouais, tu, là, tu descends, waouh. Wow. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, mais enfin voilà. Donc euh, non, non, Vélaz, on verra. Bah après, ils sont pas bien partis. mais bah, justement, on va, on va, on va faire un peu le point sur les matchs parce que j'étais en train de surveiller. Hein, justement, si le Vélez national était terminé, voilà, c'est terminé. Donc vous avez les scores qui sont affichés juste à côté de moi. Là, ils sont ici. Euh, les scores à la fin des matchs, à la fin des quatre premiers matchs de la nuit. Euh, avec la surprise, hein, quand même, il faut le dire, la victoire de Tachira à Sucre face à Independiente Petrolero, certes, euh, on va parler du poids de l'histoire, Tachira est un habitué de la Libertadores, ce qui n'est clairement pas le cas d'Independiente Petrolero, mais bon, aller gagner en Bolivie en altitude, c'est jamais facile. Euh, donc victoire du Deportivo Tachira 2-1 face à Independiente Petrolero victoire de Nacional à Vélez au euh, à Amalfi à, euh, à Liniers ouais voilà j'avais fortine mais fortine c'est Vélez <rire> euh, <rire> voilà 2-1 victoire du Bolso face au fortine voilà si vous voulez les mots dans l'ordre 2 euh, à 1 donc avec ce doublé de Gigliotti euh, voilà, victoire de Libertad face à l'Atlético Paranaense Et donc, on l'a vu ensemble, on l'a suivi ensemble en fil rouge, la victoire euh, d'Estudiantes euh, 2 0, net et sans bavure, hein, face à un Red Bull Bragantino qui a été parfaitement contrôlé par les Pinchas, qui franchement, franchement... Euh, je ne sais pas jusqu'où ça va durer cette histoire, mais qui commence à devenir franchement sérieux. Oui, déjà en championnat, c'est intéressant. Des... Ouais. Déjà en champion, c'était intéressant. Et là, pour l'instant, euh, bon, si on prend aujourd'hui euh, les quarts de finale, on se retrouverait avec euh, Estudiantes contre euh, Argentinos d'un côté et euh, River Tigre. Et de l'autre côté du tableau, on aurait Boca News et Racing euh, Aldo Aldosivi. Donc, euh, on n'est pas la l'abri qui se qualifie au moins en demi ouais. ensuite sur un match. Ouais. Les matchs qui vont se jouer euh, en province, normalement. Ouais. Euh, J'ai vu non, passer euh... ça récemment. Attention, attention à Estudiantes, hein, quand même, hein, qui, euh, franchement, et qui ce soir nous a fait un match euh, hyper solide, euh, hyper agréable, il faut le dire. Hein, on, le, on est souvent en train de bâcher Estudiantes. Ils ont été très agréables à avoir joué ce soir. Donc, euh, voilà, ouais, défaite surprise, Patrice, de l'Atlético paranense à Libertad, c'est jamais facile hein, de gagner au Paraguay. Euh, quand tu joues Olympia, Cerro ou Libertad, euh, même Guarani, quand tu, tu les croises, c'est pas évident. Euh, donc euh, voilà, euh, Libertad qui prend la tête du groupe, hein, si je ne me trompe pas. Euh, je vais aller vérifier ça parce que je n'ai pas envie de partir euh, sur une bêtise. Mais Libertad, temps. oui, est en tête du groupe avec 7 points, puisqu'on était dans le même cas que Estudiantes et Bragantino. Euh, les deux autres membres sont Caracas et The Strongest dans ce groupe c'est le groupe B nous on a suivi le groupe C Estudiantes donc 7 points Bragantino 4 National euh, National 4 et Vélez 1 euh, Vélez qui est donc on le disait mal parti et ben voilà on... ouais c'est très sérieux l'Académie c'était Estudiantes j'avoue on les attendait pas donc euh, bah écoute euh, très bien c'est bien aussi de voir des historiques revenir euh, et euh... Bah voilà, écoute. Et puis un Brésilien est tombé, donc ça va te faire plaisir la caserne. <laughs> Peut-être le premier d'une longue série. Il euh, y en a d'autres, un hein, Brésilien qui arrive. Ça va démarrer euh, dans un quart d'heure. Hein. Alors on va, ouais. nous on va couper. Hein. On, va, on va, vous laisser là. Euh, mais vous pouvez aller suivre. Dans un quart d'heure, je le, je le montrais hein, tout à l'heure. Euh, je peux vous remontrer cela, les, les matchs qui vont suivre. Corinthians, Boca, Itaquera, euh, de Sao Paulo. Voilà. C'est un gros classique, hein, ça, Corinthians-Boca. Corinthians qui, pour l'occasion, sort le maillot. Euh, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux. Si vous allez voir sur le Twitter du Corinthians, vous verrez, on en a parlé hier dans le 9-10, le nouveau maillot du Corinthians qui est un hommage Merci. à celui de 2012. Hein, la finale gagnée face à Boca, justement, ils ont saisi ce match-là pour lancer leur nouveau maillot. Pour les 10 ans, oui. Ouais, exactement, pour les 10 ans. qui va euh, accueillir, quant à lui, le Sporting Cristal. Et il y a un très, très, très excitant Independiente del Vache Atletico Minero. Voilà pour cette soirée. Voilà pour notre live. On arrive au bout. On va vous remercier d'avoir été avec nous. Vous avez vu qu'on a pas mal digressé, mais c'est un peu ça, les soirées à Libertadores. Euh, elles servent à ça aussi. On parle de foot sud-américain. On se fait plaisir. Euh, on vous donnera rendez-vous pour un autre live. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire cette semaine d'autres. Euh, on n'en a pas encore parlé d'ailleurs avec Vincent. Euh, on verra. Euh, je pense que je ne suis pas sûr de pouvoir en faire un autre cette semaine. Euh, je n'ai pas encore ma, un, tout à fait en tête euh, mon calendrier. Euh, je vais essayer de vous euh, de, de, de vous faire un live vendredi matin autour d'un match australien, euh, histoire de préparer un peu le week-end, de vous parler des quelques gros matchs du week-end et de suivre un peu de, de foot australien comme on le faisait ces derniers temps. Généralement, on le faisait le vendredi ou le samedi matin. Donc, on va peut-être se refaire ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous aurez euh, voilà, comme ça, vous aurez les infos. Vous saurez si euh, vous saurez si tout cela se fait ou pas. Euh, je l'annoncerai euh, voilà il faudra être prêt à bondir un peu comme aujourd'hui je l'ai annoncé assez tard mais, mais, mais bon c'est ça quoi donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous vous en saurez plus merci à vous tous merci et bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher merci Vincent de m'avoir accompagné merci à toi avec plaisir et puis ben, on va se retrouver euh, voilà euh, pour un prochain live de Libertadores ça c'est sûr euh, quand je sais pas encore voilà on verra et puis euh, et puis voilà on va vous dire à bientôt on va vous souhaiter je le disais bonne nuit ou bon match au pluriel si euh, vous poursuivez la soirée. Voilà. Bye bye, tout le monde! Ciao!